Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde, excusez-moi pour cette petite entrée. Voilà, c'était pour vous surprendre, bien évidemment, c'était prévu. Bienvenue à tous sur cette émission, l'émission Sakuramen, qui aujourd'hui va vous en apprendre plus sur l'apprentissage du japonais. Au niveau des réglages, est-ce que tout est ok? Je me pose des petites questions, vu mon entrée fracassante sur le live. C'était un cache-cache en live, exactement. Nouveau concept, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, hein, petit programme, petite soirée en compagnie de deux super invités comme d'habitude. Sophie, cours de japonais, actuellement présente dans le chat, ainsi que Joe Nihongo, également présent sur le chat. On va vous parler aujourd'hui de la musique, et notamment de la musique en tant que ressource pour... vous améliorer en japonais, apprendre votre japonais, vous entraîner au japonais. Voilà, la musique, ça peut servir à beaucoup de choses. Et on va essayer de vous montrer un petit peu les différents aspects dans le cadre de l'apprentissage du japonais. Comme d'habitude, on va commencer par une petite interview de nos invités. Hein. Vous les connaissez peut-être déjà, mais vous allez peut-être aussi apprendre de nouvelles choses sur eux. On va jouer en même temps à un jeu qui s'appelle Nalabi, dont je vous expliquerai les règles en début de partie. Et à la fin de la soirée, il y aura évidemment un petit concours d'anecdotes. C'est vrai que je n'ai pas redemandé à mes invités, mais j'espère qu'ils l'ont fait, parce qu'ils sont très, très forts, mes invités. Petite anecdote à la fin, concours d'anecdotes, hein. Vrai ou faux, et ce sera à vous de voir... Voilà, par rapport à ce qu'ils vont vous dire. Et bien évidemment, comme chaque émission, celle-ci est sponsorisée. On a des petits partenaires très sympathiques, très cool, qui vous permettent de gagner pas mal de cadeaux. Et ce soir, vous voyez, hein, y a les images qui, de ce côté-là, sont en train de défiler. On a toujours notre cher Bazar du Manga qui va vous offrir deux collectors, Demon Slayer et Tokyo Revenger, ainsi que un petit bon d'achat de 40 euros sur leur site. On a également Cactus Tatoué, du coup. Non, je me trompe encore de sens. Juste ici, avec un petit lot de papeterie et Plop Art avec des petits posters, voilà, dont lui, si vous le choisissez. Voilà, je ne sais pas. Et on a également, dernière minute, un petit partenaire de dernière minute, Manga d'Occase. Pour ceux qui habitent du côté de Lille, vous devez certainement le connaître, qui vous propose de gagner, et je l'ai là, hein, j'étais le chercher aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un peu inattendu, un tote bag, déjà Beastar, en collaboration avec Manga d'Occase, si ça c'est pas classe. Et en plus, il y a pas mal de petits goodies dedans, je vous ferai la présentation un peu plus en détail tout à l'heure. Mais si ces petits lots vous intéressent, n'hésitez pas à faire un point d'exclamation Sakura, tout collé, et vous serez automatiquement dans la base de données, dans le petit bot, voilà, pour le tirage au sort en fin de soirée. C'est gratuit, il suffit juste voilà, de taper la commande, d'être venu sur l'émission, d'avoir parlé, d'avoir participé peut-être, pour tenter sa chance. Voilà. Il y a une règle, il y a une nouvelle règle que je suis obligée de mettre en place, c'est que on ne peut pas gagner plus de 2 lots sur émission. Voilà. Sinon, je sais que la chance de certains, c'est quelque chose, voilà, de très... Voilà. J'en reviens toujours pas. Mais voilà, au maximum, vous pouvez gagner 2 lots tout au long de l'émission. Donc, elle dure jusque fin juillet. Là, il reste encore quelques émissions. Voilà, si vous avez gagné encore une fois, vous pouvez reparticiper. Mais si vous avez déjà gagné 2 fois, malheureusement, faut que je fasse gagner les autres aussi. Hein. Sinon, c'est pas juste. Hein. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'il est temps de commencer cette émission. Et pour ça, faut faire venir nos invités. Mais pour les déverrouiller, nos invités, il faut faire un tonnerre d'émotes, de clap, 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 de sakura, de ramen, de tout ce que vous voulez. Et que l'on ne voit plus ma petite tête actuelle. Onegaishimasu. Onegaishimasu, c'est le moment
d'augmenter la hype de ce chat, de faire des petites émotes. C'est le moment des claques, des sakura et des ramen. Hein. On est sur l'émission Sakura Men. Je veux plus me voir. Je veux plus me voir. Et si seulement vous y arrivez, alors je ferai venir nos chers invités. tout au long de la soirée, du coup, il y a deux points de chaîne qui sont à votre disposition. Il y a Gosto actuellement qui est en train de dire Sakura, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez également mettre des messages en avant ou des questions, notamment si vous avez des questions à poser lors de l'émission. Je vous encourage vivement à utiliser ce point de chaîne pour que je puisse reprendre vos questions et les poser à nos invités aujourd'hui. C'était un peu léger là comme émote. C'est pas suffisant. Un peu plus, s'il vous plaît. Un peu plus. Je veux de la hype dans ce chat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un petit peu plus. Et en plus, je mets la musique à fond. C'est la fête. C'est la fête, chez un prénom japonais. S'il vous plaît. On veut voir des clap, 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 notamment. On veut voir des sakura et des ramen. Oui, j'en demande beaucoup, mais les invités valent le coup. Ils valent ces émotes. Plus que n'importe qui. Ah, je préfère ça. Je préfère ça. Allez, je ne vous fais pas plus patienter. Je vais tout de suite faire venir nos chers invités. Vous me ferez un petit topo, Régie. Vous me dites si vous les entendez bien quand ils arrivent. Attention. Et bonsoir, vous deux. Comment allez-vous? Yeah. 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 Genki desu ka? Vous allez bien? Hi. 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 Alors attendez, je fais les petits réglages comme d'habitude. Est-ce que vous les avez bien entendus dans le chat, nos chers invités qui se sont fait, je sais pas, mais on est contente de les avoir. J'allais dire quelque chose et je me suis rendu compte que ça voulait pas dire grand chose, du coup j'ai changé de phrase. Oh mon dieu. Ouais, il y a eu des émotes dans le chat, hein. On vous voulait. Oui. Ça c'est une preuve. C'est une jolie preuve. Bon bah du coup, j'en perds mes mots. J'ai fait une de ces entrées, ça m'a déstabilisée. Je me suis dit, mince, pourquoi on me voit pas? C'est pas normal. Et heureusement, dans le cerveau, ça fait tut-tut-tut. Et j'ai réussi à remettre la caméra. Mais non, pas de panique dès le début de live. Pas de panique. Ici c'est chill, très chill. On essaye. Bon, aujourd'hui, on va parler musique, tous les trois. Ça va être cool. Avec plaisir. Et avant de parler de ce thème, vous avez l'habitude maintenant, vous êtes déjà venus sur l'émission, on va faire un petit jeu. Alors, c'est le moment que j'explique à ceux qui viennent d'arriver. Merci au passage au follow. Et alors, ton pseudo, c'est Hipsterberb. J'espère que ça se prononce comme ça, je suis désolée. Il y a trop de consonnes à la suite, tout de suite, ça devient compliqué. Mais merci pour ton follow et merci pour ton premier message dans le chat. Installe-toi, voilà. Aujourd'hui, on parle de musique. Et on va d'abord commencer avec une petite interview hein, de nos invités, tout en jouant au jeu qui s'appelle Nalabi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un jeu coopératif. C'est-à-dire que soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous ensemble. Et l'un de mes chers modos, actuellement Gosto ou Ezrim, à vous de vous gérer vos histoires dans vos coins, va lancer une petite... comment on appelle ça? C'est pas un sondage, c'est une prédiction. Merci. Une prédiction pour savoir si, selon vous, eh bien, nous allons gagner ou nous allons perdre. Pour ça, vous pouvez utiliser vos points de chaîne. Et le but de ces prédictions, c'est de vous faire fructuer hein, un petit peu les points de chaîne pour les utiliser pendant l'émission, les utiliser pendant les cours de japonais. Il y a de nouveaux points de chaîne du lundi au jeudi qui sont plutôt cool, notamment... Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mes chers invités. Il y a maintenant... un point de chaîne où, si il l'active, tout ce que je lis en japonais, je dois le lire avec un accent bien français. Ça donne des kyo wa, shishigatsu, ni futsuka disuyo, par exemple. Ah, ouais, non, c'est... J'aime l'accent américain, sinon. Ah, oh, vas-y, j'aime l'accent américain aussi. Ah, oh, bah, je veux entendre ça. Watashi wa America karakimashita. Oh yeah. Yeah, what she could name. Watashi. Oh my goodness. Sugoidesu ne. Oh, j'adore. Sugoidesu ne. Ça fait penser à Yabatan. Oh yeah, yeah, qu'est-ce que j'aime ces vidéos. Oui. Une référence hein, dans l'accent japonisant, pas japonais du tout.
Mais voilà, et n'hésitez pas en tout cas, les modos, je vous laisse faire la petite prédiction. N'hésitez pas à voter, à dépenser vos points de chaîne, vos petites malotomaki. Et en attendant, j'explique les règles parce que je ne l'ai toujours pas fait. Donc Nalabi, c'est un jeu de cartes où on doit gagner tous ensemble dans l'idéal. Et le but, c'est de faire une suite de 0 à 8. Pour faire cette suite, on a la possibilité d'échanger ses cartes avec les cartes de ses coéquipiers. Sauf que, si c'était que ça, ça serait un peu trop facile. On a des conditions pour échanger les cartes. Par exemple, une des conditions, ça peut être d'échanger ma carte uniquement avec une carte avec un chiffre pair, par exemple. Ou autre condition, je ne peux échanger ma carte que si la pierre est à ma droite. Quelque chose de ce style-là. Donc là, je laisse mes invités accepter le jeu pour qu'on puisse lancer la partie. Vous avez encore une bonne minute pour participer. À savoir que Sophie a déjà gagné. On a déjà gagné en team avec Sophie. Et Joe, je crois qu'on n'a pas gagné. On s'est rétamé, mais on était pas très loin. On était les tout premiers. C'était la toute première émission aussi. Hein. Donc, tout est possible. Tout est possible, je le répète, n'hésitez pas à voter. La première fois, normalement, t'as la chance du débutant, tu vois. Ouais, là, non, mais du coup, là, ça va être la chance de la deuxième fois. On va voir. L'espoir. Et donc, l'intérêt de ce jeu, c'est que je pose en même temps des questions à mes invités. Donc, du coup, bah là, le jeu a tranché. Je vais commencer par toi, Sophie. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles, l'âge que tu as et ton métier, s'il te plaît? Je suis toujours Sophie Thomas, j'ai toujours 30 ans et je suis professeure de japonais depuis 2013. Super, je te laisse jouer du coup et j'enchaîne avec Joe. Ton prénom, ton âge et ton métier également, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Jonathan, j'ai 16 ans. Toujours. Toujours, c'est même un petit peu plus. J'entends pas, j'entends pas. Et t'as un zombie d'Atano? T'as un diobédéto. Ok. On a rien dit. Donc voilà, et je donne des cours de japonais, mais je bosse aussi dans d'autres domaines, notamment la gestion de projets informatiques. Waouh. Ok, voilà. Parfait. Du coup, je te laisse jouer et je viens réembêter Sophie. Donc, vous le savez, les trois premières questions, vous les avez déjà répondues, mais il y a des nouveaux hein, parmi nous. Est-ce que tu pourrais nous citer un défaut, mais également une qualité? Alors, soit nous redire ce que tu as déjà dit, mais encore mieux, nous en donner d'autres, si possible. Je suis plus sûre de ce que j'avais dit la dernière fois. Donc généralement, vous avez tout sorti le « on est perfectionniste ». On l'a tous en japonais. Parce que justement, moi, c'est un défaut dont je me j'essaie de me débarrasser. Ah, okay, j'y travaille depuis des années, donc maintenant, je lâche un peu du lest. Non, en qualité, je dirais que je suis ouverte d'esprit et c'est même une de mes valeurs principales. C'est voilà, l'acceptation de essayer d'être la plus ouverte possible. Et puis en défaut, je dirais que je peux être candide ou naïve, tu vois. Il y a plein de choses que j'ai longtemps cru et en fait c'était pas du tout ça. Ou des fois on peut me faire genre des blagues et en fait c'était une blague. Ouais. Donc voilà, je fais peut-être trop confiance. Je pense que c'est un défaut. Ok, ça marche, je prends, bien évidemment. Je te laisse jouer du coup et même question pour Joe, hein, un défaut et une qualité. Alors, les défauts, c'est que j'ai des capacités d'attention assez réduites et qui vont pas en s'améliorant avec le temps. C'est-à-dire que généralement, je suis et je décroche de ce qu'on me dit et c'est pas toujours très cool pour mes interlocuteurs. Et mes qualités, c'est que généralement, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Ouais. Donc, c'est pas trop compliqué de savoir où j'en suis. Et puis, quand je dis que je fais un truc, tu vas jusqu'au bout, quoi. Voilà, jusqu'au bout. Ça marche, parfait. Je te laisse jouer, du coup. Ah oui, à savoir, je ne l'ai pas dit, pour ceux qui nous regardent, on a 24 tours, 24 chances au total pour y arriver. Là, on a déjà joué 4 tours, dirons-nous. Et donc, si au bout de la 24e fois, on n'a toujours pas notre suite de 0 à 8, elle peut être dans un sens comme de l'autre, hein, on a perdu. Donc là, j'espère que vous avez misé sur la bonne réponse. On ne sait pas encore si on va perdre ou gagner, mais voilà, pour les explications supplémentaires.
Du coup, troisième point fondamental, Sophie, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ton parcours avec le japonais, s'il te plaît? Oui, alors dans les grandes lignes, à 13 ans, j'entends pour la première fois de la musique japonaise, je me prends une baffe monumentale, premier coup de foudre, je me dis c'est génial, il faut que je creuse ça. Du coup, pendant mes années lycée, comme il n'y avait pas encore YouTube, tout ça à l'époque, j'ai essayé de grappiller des mots à droite à gauche avec ce que j'avais. Ensuite, après le bac, je pars en licence de japonais à l'INALCO à Paris. Je conforte mon amour de la langue, mais je ne me vois pas du tout faire une licence pour terminer traductrice ou quoi que ce soit. Je me dis que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de parler japonais, d'aller sur place et de discuter avec les gens. Donc, je pars en école de langue au Japon. Je rentre de là, je me dis c'est bien, qu'est-ce que je vais faire avec le japonais dans ma vie, surtout dans ma petite ville où il n'y a pas de japonais. Donc ensuite je bifurque dans le tourisme et l'événementiel, je réussis à travailler avec des groupes de musique japonaise qui était mon rêve de gosse, et de fil en aiguille je commence à donner des cours au départ vraiment à des connaissances, des cours de japonais, voilà, sans grande prétention, ça prend de l'effet, de l'ampleur. Et je me dis, bon, bah là, je vais donner des cours à temps plein, donc je continue de me former, je bosse en autodidacte, je prends des cours, je retourne en école de langue, et j'ai validé le JLPT2, et puis, à l'heure actuelle, j'ai monté une école de ligne, enfin, une école en ligne de japonais, avec plus de 1000 élèves. Ça en est, ce voilà, j'y dessine. Ouais, là, c'est vrai, grosse rétrospective de tout ton parcours. Naruhodo ne, ok, parfait. Bon, du coup, je te laisse enchaîner sur le jeu. Et Joe, même question un petit peu, ton parcours rapidement avec le japonais. Moi, j'ai, comme je pense pas mal de gens dans le chat, j'ai pas mal flashé quand j'étais ado sur la culture japonaise, au travers des mangas, animés, tous ces aspects-là. J'ai commencé à faire un peu de japonais. J'ai pu partir au Japon en stage avec mon école de commerce quand j'avais une vingtaine d'années. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis revenu, j'ai fait un petit tour par l'INALCO. Et puis après, j'ai complètement arrêté le japonais pendant 15 ans. Et puis à l'approche de la quarantaine, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et donc je m'y suis remis with a vengeance, comme diraient les Américains, pour me remettre à niveau, aller plus loin que ce que j'avais. J'ai commencé à enseigner, j'ai eu le N1. Et puis, voilà, je me suis mis à Twitch, même si j'en fais pas du tout autant que j'aimerais, parce que hashtag la vie. Ouais. PM. Voilà, et donc, mais je désespère pas, de continuer à en faire un gros pan de ma vie. Et puis, j'espère surtout pouvoir y retourner, parce que ça fait quand même 19 ans que je suis pas allé. Donc là dans le chat ça va se lâcher en mode je t'ai pas né. C'est ça, moi j'étais né depuis 5 ans donc je connaissais même pas encore le Japon, mais pas d'âge bashing ici. Ouais, exactement. La majorité, je pense, des personnes dans le chat ont plus de la trentaine sûre, donc pas de soucis avec ça ici, au contraire. Ok, bon, genre, les filles, j'ai des règles. J'ai une pierre que j'ai pas pu bouger depuis le début. Parce Je crois comprendre. C'est une pierre sans chiffre qui doit s'échanger contre une pierre sans chiffre. Donc ça ne nous amène vraiment pas à grand chose. Non, le random. Là, le random est un peu. Voilà, là on est. Alors, c'est la 6 que je peux pas bouger. De mon avis. Ouais. Parce que là. Alors, on fait un petit point sur la partie, parce qu'on va quand même, au-delà d'en apprendre plus souvent, on va essayer de gagner. On ne sait pas dans quel ordre partir, du coup. Il y a le 3, 4, 5 qui est magnifique. Ouais. J'ai l'impression que je ne vais rien pouvoir bouger. Il faudrait que... Tu peux pas mettre le 2, le 0 ou le 1 vers le mien en essayant de laisser de l'espace pour mettre les autres vers le rose. Du coup, je... Maintenant qu'on a réorganisé les troupes, je te laisse réfléchir à ça, Joe. Et je te pose la question suivante, Sophie. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe de l'émission, on a fait les trois questions de base. Mais là, on va s'amuser un petit peu. Je vais poser des questions un petit peu plus
divertissante, loufoque peut-être. Et on va commencer du coup avec la première question. Si tu te réincarnais en un animal, ce serait lequel, Sophie, et pourquoi? Ça tombe bien, je me suis fait tatouer cette semaine. Ah non. Mon animal totem, on va dire. Enfin, celui que vraiment auquel je m'identifie, on va dire, c'est le panda roux. Parce que je pense déjà à la couleur du feu. Et puis vraiment le côté, je sais pas, ils sont tranquilles, ils vivent leur petite vie dans les arbres, ils sont joueurs et en même temps ils dorment beaucoup. Oh ouais. Soit ça, soit les chats. Les chats. Mais j'ai envie de dire un chat qui est, tu vois, qui est bien loti. Ouais, voilà, comme le tien. Tranquille. Ah ouais, non mais c'est vrai que les pandas roux, c'est très très craquant. C'est tu les vois, t'es là, c'est trop chou. Oui. On est d'accord. Ok, parfait. Bon, je suis censée jouer. On n'est pas dans la. Ceux qui ont voté non, peut-être que c'était bon choix. Attendez, faut qu'on fasse un choix. Est-ce que moi, je vais bouger celle-là. Comme ça, on est sur un 7-8. Non, attendez, non, on n'est pas sur un 7-8, on est sur un n'importe quoi qu'on dise, mais c'est pas grave, on va y arriver. Ouais, alors, attends. Bon, je te laisse réfléchir à ça, du coup, et je te pose, Joe, la question suivante. Alors, attends, faut que je retrouve ta colonne, que je te pose pas une question que je t'ai déjà posée. Si tu avais le droit légalement de voler quelque chose, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu voudrais voler? Peu importe la personne, si c'est une personne ou autre, hein, ça peut être un musée, enfin n'importe quoi. Qu'est-ce que tu voudrais voler? Alors c'est dur parce que tu vois, moi depuis ces dernières années, je suis ultra minimaliste, tu vois. Je sais pas si tu connais Fumio Sasaki et son bouquin Au revoir les choses, là. Enfin, comment ça s'appelait en français, l'essentiel et rien d'autre. Donc je vais à fond sur cette rue-là, donc c'est dur. Faudrait que ce soit quelque chose de... Ah bah si. En fait, ça fait des années que je dis à mes amis de m'offrir un seul truc pour mon anniversaire et qu'ils ne le font pas. Donc je pense que j'irai piquer, je demanderai une superbe estampe japonaise de Rokusai, peut-être de Utamaro, quelque chose comme ça, voilà, pour le mettre dans mon salon. Ok, ça marche. bon, du coup, attendez, on refait un regroupement des troupes là parce que... On est, je sais pas comment on va faire pour gagner, hein, concrètement. Je pense que j'ai flingué tout le mojo de Sophie, en fait. Est-ce que ta pierre Sophie n'a pas suffi à... Ta pierre blanche, tu peux pas prendre mon set avec ta pierre blanche, par hasard? Alors, est-ce que je peux prendre ton set avec ma pierre blanche? C'est moi qui ai la pierre blanche. Ah oui, attendez, oui, je me confonds. Alors, attends. Et la pierre blanche ne sert qu'à prendre chez le voisin de gauche. Ah ouais, en plus. Donc, alors, est-ce que tu peux échanger ton 4 contre le 2? Voilà, le 4 contre le 2. Ouais. Alors, attends. Ah oui, bon, déjà c'est pas mal. Okay. Déjà c'est pas mal. Okay. Bon, alors attendez, c'est à moi de jouer, on va essayer de gagner. Hein. Moi, mon 7, il faut qu'il repasse là. Mais est-ce que je peux échanger contre le 0? Oui. Ouais, mais est-ce que c'est du bon jeu de faire ça? Est-ce qu'il faudrait pas mieux faire ça? Je sais pas. Attendez, hein. Bon. Ah, et en plus, toi, tu peux échanger que avec ton voisin de gauche, c'est ça? Donc, on va faire ça. La pierre blanche, ouais. Ouais, donc on va faire ça. Je te pose la question suivante, Sophie. Désolée, tu joues en même temps. Vas-y, on va essayer. Je crois que je ne l'ai pas posé à toi. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu voudrais quoi? Honnêtement, je pense que le plus utile et celui que j'utiliserais tout le temps, c'est classique, hein, mais la téléportation. Parce que franchement, en un claquement de doigts, t'es n'importe où. Notamment peut-être au Japon. Ouais, genre au last life de ton groupe préféré. Oh. T'as pas pu y aller, voilà. Ah oui, ah oui. Puis t'es dans les backstage aussi, à n'importe quel moment. Puis si. C'est ça. J'avoue. Ah, la téléportation, franchement, t'as n'importe quel concert. Hop, tu claques des doigts, t'y es, tu reviens chez toi, tu fais ton taf, tu repars en vacances. C'est ça. Oh mon dieu, le rêve. Pratique, ouais, c'est ça. T'as envie d'aller dans la mer. Hop, chill, cocktail et tout.
Ouais, je... Tu te dis, tiens, petite okonomiyaki, là, allez, oh, bim, ouais. Tous les repas que tu veux. Oh. Ah, ah ouais, c'est génial. Je pense que c'est le plus pratique, hein, vraiment. Ouais, ouais, niveau praticité, on est pas mal, hein. Je suis d'accord. Du coup, pareil, Joe, je te pose une question en même temps que tu réfléchis, désolé. Si... Ah bah tiens, quel a été ton plus gros achat jusqu'à ce jour? Pourquoi t'as craqué beaucoup d'argent Bon, en vrai, c'est pas drôle, parce que c'est un peu un truc de père de famille, c'est mon appart. Ah, maçonné. Mais j'ai un gros achat que j'aimerais faire dans mon appart un jour. Ouais. C'est un achat, parce que je suis assez minimaliste, mais du coup, je me dis, je choisis les trucs, tu sais, qui te font naître l'étincelle de joie, tu sais, comme Marie Kondo. Mm-hmm. Et mon rêve, ce serait... Un jour, enfin, quand je vais refaire ma salle de bain, installer des chiottes japonaises. Ah oui. Le du siège chauffant en oh, oui, ouais. Parce que c'est totalement déraisonnable, ça coûte un fric de dingue, et en plus quand ouais. tu l'achètes en France, laisse tomber, c'est, ouais, c'est... pas normal. Enfin, tu t'achètes une voiture d'occasion avec ce genre d'argent. Ouais, ouais, ouais. Pas des chiottes. Ouais. Mais je me dis, si j'économise assez avec sur le reste en étant plutôt raisonnable, je pourrais peut-être réaliser un jour ce rêve à la con. Alors redonner. Mais ceux qui ont déjà testé ces toilettes-là peuvent comprendre. Ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont. Tu découvres. Voilà. C'est une autre dimension. C'est clairement un autre monde. Tu rentres dans une pièce climatisée, tu te dis quoi? Ah oui, ah oui. C'est vrai que. Ouais, non, ça change le quotidien, ce genre de choses. Ouais. Ah ouais. Ah non, mais je comprendrai. Je voudrais bien faire le même caprice un jour, si possible. N'allez redonner, n'allez redon. Bon, je suis censée jouer et je sais pas du tout quoi faire. Attendez, que je réfléchisse un petit peu. Désolé le chat, hein, quand on est en réflexion sur le jeu, on essaye de faire en sorte que ceux qui ont voté oui gagnent, mais en même temps, si. Mais pas très loin, hein, je sais. Ouais, il manque pas grand chose, mais vraiment. Un petit espoir. Faudrait inverser ce 3 et ce 1. Ouais, c'est ça le problème. Bien. Et moi, j'essaie de voir si je peux pas le récupérer, faire quelque chose. On va essayer d'inverser de prendre le 3. Désolé si. Ça va pas, mais j'ai pas. Sinon, ça risque de trop dérégler. Du coup, Sophie, c'est à toi de jouer. Et question suivante. Alors, attends. Qu'est-ce que je peux te poser comme question? Ah, bah tiens, si tu pouvais faire une vidéo avec qui tu veux, que ce soit une collab sur Twitch ou une vidéo YouTube, tu voudrais le faire avec qui? Waouh! Une bonne question. Il y a plein de gens avec qui j'aimerais avec grand plaisir faire des vidéos. Si vraiment je pouvais choisir genre n'importe qui. Genre le truc que tu peut-être juges impossible, tu vois. Genre en tout cas pour le moment tu te dis ouais là c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'aimerais bien? Bah, en bonne groupie, je dirais mon groupe préféré. Évidemment, petite interview. Avec, bon, le seul voilà, c'est ça, le seul groupe que j'adore qui est encore actif, c'est un groupe de filles, donc ouais, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec elles, ce serait génial. Je sais pas du tout ce qu'on se dirait, mais ce serait, voilà, pourquoi pas, avec elles. Et puis sinon, peut-être en youtubeur, on va dire, un youtubeur que j'aime beaucoup, et peut-être avec lequel on pourrait faire une vidéo sympa, ce serait Doc7. Ah oui, ouais. Ouais. Pour faire des trucs sympas, il a déjà fait plein de vidéos sur le Japon, mais il y en a jamais assez. Ok. Ça marche. Ouais. Ok, je prends. Du coup, question suivante, Jo. Alors, attends, parce que je t'en ai aussi posé déjà pas mal. Si tu pouvais te réincarner, ou tout du moins incarner un personnage de manga ou d'anime, tu choisirais lequel? Oh là là. Oui, je pense que je choisirais Arale dans Dr. Slump. Oh! Je crois qu'il y a même eu un épisode où elle fout une rouste à Vegeta et Son Goku, adulte et tout. Ah, donc, ouais. Je pense que c'est en fait elle la plus balèze de tout ça. Et en plus, elle peut faire ce qu'elle veut, personne ne lui dit rien, elle se balade avec des crottes au bout d'un bâton. Donc ouais, elle est ultra forte et ultra libre. Et ça, c'est...
me dis ça, ça pourrait être pas mal ça. Ok, ouais, bah je comprends, je suis plutôt d'accord. Bon, bah, je te laisse réfléchir, je sais pas comment on va faire là, parce que ouais, concrètement, il faut juste que le 3 aille. Est-ce que tu peux par hasard échanger le 3 avec le 1? Non. Ou alors la pierre noire avec le 3 au moins. Non, la pierre noire, elle me casse les... Je peux rien faire. Mais non, le 3 avec le 1, je peux. Ok, ok. Oh. Donc là, moi, je peux rien faire pour le moment. Mais je peux prendre le 1. Je peux prendre le 1 sans changer l'ordre. Il faut juste espérer que toi, Sophie, ta pierre noire, tu peux prendre le 1. Ça dépend. Ça dépend ce que... Voilà, on va voir. On va voir. On est sur la dernière ligne droite, s'il vous plaît. Bah là, moi, c'est échanger une pierre avec le joueur à gauche. Non ! Donc, je vais pas faire avancer grand-chose. Non ! Par contre, le 1, tu peux l'échanger... Enfin, si on doit refaire un tour, tu peux l'échanger avec n'importe quelle pierre. Ouais, donc il y a moyen. Bon, du coup, je te pose une question suivante. On a peut-être une victoire en encore un tour. Donc, peut-être dernière question. Je te l'ai pas encore posée, mais du coup, t'as déjà eu des heures de colle. Et si oui, on veut des petites anecdotes. Une petite anecdote. C'est pour moi, du coup ? Ouais. C'est pour moi. Oui, je pense que j'ai déjà eu des heures de colle. Je pense au collège, parce que quand je suis arrivée au collège, alors j'ai sauté le CP, donc déjà j'avais un an de moins que les autres. Ouais. En plus de ça, je suis née en fin d'année. Donc, ah je oui, suis arrivée, le décalage. Je suis arrivée en sixième, j'avais 9 ans et demi. Et du coup, j'étais la toute petite, tu vois. Enfin, mon sac à dos était plus lourd que moi. J'étais en mode, je débarque dans un nouveau monde. Donc en sixième, je me tenais vraiment bien, bien sage. Voilà, la petite élève modèle. Et à partir de la cinquième, j'ai été, on va dire, sous l'emprise de vilains collégiens. Non, en fait, j'ai eu des mauvaises fréquentations. Ouais. Tu vois, quand on disait que j'étais trop naïve. Ouais, tu suis tout le monde en mode, let's go. Et en fait, non, c'était vraiment, avec le recul, hein, avec mon œil d'adulte, c'était vraiment des mauvaises fréquentations. Et du coup, en cinquième, j'ai complètement dégringolé. Je me revois encore danser sur une table en techno. Donc, pas en techno, la musique. Hein. Ah oui. En classe de tectonique. Voilà, en classe de tectonique, c'est ça. Oh mon Dieu. Donc, je sais pas si c'est pour ça que j'ai eu des heures de colle, mais je sais qu'en cinquième, c'était la débandade. Tu foutais le bordel en cours, quoi. Ouais, c'est ça. Je parlais beaucoup aussi. Du coup, cinquième, quatrième, c'était pas ouf. Et je me suis rendu compte quand même que ça n'allait pas et que j'avais pas du tout envie d'aller dans... Parce que ça me représentait pas, en fait. Hein. Je me reconnaissais pas là-dedans. Donc en troisième, j'ai changé de collège pour avoir des meilleures fréquentations. Malheureusement. Mais ouais, cinquième, quatrième, je me suis tapé des heures de colle pour X raisons. Malheureusement, ne vous fiez jamais à des têtes d'anges, là. On cache des trucs sombres derrière nous. Malheureusement. Surtout, voilà, c'est le côté un peu... influençable que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune je comprends. Et maintenant je fais attention. Bon, du coup, je vous annonce qu'on va gagner, mais avant que je ne pose la pierre de la victoire, dernière question pour Joe. Toi, je t'ai déjà demandé pour l'heure de colle, mais du coup, je voudrais savoir quelle a été l'une des situations les plus gênantes que t'aies vécues dans ta vie. Les situations gênantes. Je suis tombé dans l'eau d'un port. Genre, on en veut plus. On en veut plus. Ouais. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Ça n'est pas un concours d'anecdotes. Non, j'étais petit et on était dans un port dans le sud de la France, enfin un port de plaisance, hein, ouais, avec un petit bateau, pas un port de avec des porte-avions ou des trucs comme ça. Et à un moment, je me suis dit, tiens, tu vois, je descendais la jetée. Je me suis dit, tiens, ce serait une bonne idée, là, ce poteau a l'air solide. Je vais me tenir au poteau, puis je vais faire un tour en passant au-dessus de l'eau, puis je vais retomber sur mes pieds de l'autre côté. Théoriquement très classe. Voilà, ce qui aurait été très bien, hein, si ça s'était passé comme ça, mais le destin en a voulu autrement. Et donc, je me suis mis dessus, j'ai commencé à me lancer, et là, j'ai senti le poteau qui faisait sous mon poids. Donc, j'ai paniqué, j'ai lâché le poteau, et je suis tombé dans l'eau. Ah ouais. Et surtout, ce qui était compliqué, c'est que personne ne comprenait où j'étais. Parce que les autres, ils avaient déjà... Les gens, ils avaient déjà remonté la jetée.
Et juste à un moment, ils ont entendu plouf et... Ah pu c'est tout. Oh non. J'étais quand même un peu gêné, j'essayais de pas perdre mes tongs dans l'eau et puis voilà. On t'a quand même sauvé. Ah, j'allais dire comment t'es remonté. Finalement, j'ai quand même poussé le dit, je suis là. Je suis tombée. Ils ont pu me sortir de l'eau, je sais plus exactement comment je suis remontée. J'étais bien crado parce que c'est pas propre. Non, ouais, dans les ports, c'est... C'est ouais. L'odeur. Oh, c'est une bonne douche en rentrant. C'était bien gênant. Ouais. Ça fait mal à personne, ouais. À l'ego, et puis voilà. Allez, on en est. Oh, je valide cette situation gênante, en effet. Mm. Bon, voilà, les gens, c'est une victoire, hein. Yeah. Nous avons réussi. Yeah. Voilà. Ça y est, Joe, tu l'as ta victoire. Sophie, voilà, deuxième victoire, félicitations. Je veux voir évidemment des clap dans le chat. Désolée pour ceux qui ont voté non, mais bien fait pour vous, vous avez qu'à croire en nous. Voilà. Et merci à ceux qui ont voté oui, bien évidemment. Petite victoire, j'espère que vous en avez profité pour en apprendre plus sur Joe et Sophie ici présents. Voilà, GG tout le monde. En effet, je pense que ça mérite des clap. On avait encore une petite marge, un petit tour encore d'essai si besoin. Mais ouais, on a mal commencé, mais on s'est bien rattrapé. C'est du beau jeu tout le monde. Bon, du coup, j'en profite pour une petite... comment on appelle ça ? Un petit dérivé, une petite aparté sur le fait qu'on a des partenaires hein, ce soir. Donc, si vous voulez gagner un cadeau, point d'exclamation, Sakula, ça se met automatiquement dans le petit bot ici, présent, que vous voyez à l'écran. Et à la fin, il y a un petit tirage au sort pour chaque lot à gagner. Donc, n'hésitez pas. Et nous, eh bien, on va pouvoir commencer à parler du sujet, du thème de ce soir, à savoir la musique, notamment dans l'apprentissage du japonais. Et on va commencer par une première question un peu personnelle, mais c'est quoi votre expérience, vous, avec la musique, dans un premier temps, la musique japonaise? Du coup, on va plutôt, je pense, se concentrer sur ça, en tout cas avec des paroles en japonais. Peut-être, dans un deuxième temps, vous, comment est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez la musique pour apprendre le japonais? Je sais pas, Sophie, est-ce que tu veux bien... ouvrir le bal pour ce soir. Allons-y, avec plaisir. Donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand j'ai eu 13 ans, donc là, je venais de changer de collège, c'était justement en troisième, vu que j'avais toujours un an de décalage. Donc, j'arrive en troisième, je tombe dans une petite bande de filles super sympas, et on se met un petit peu à tout ce qui était manga, Japon, musique, etc. Et donc j'achète un magazine, je sais plus du tout comment il s'appelait, c'était les magazines, du coup c'était en 2004, quelque chose comme ça. Donc il y avait pas mal de magazines sur le Japon, les mangas, les jeux vidéo, et dans ce magazine il y avait un petit article qui m'avait très intriguée, qui était sur un groupe japonais. Et en fait, à l'époque je m'étais dit, mais... Bah oui, les Japonais, ils doivent faire de la musique, mais oui. J'en ai jamais entendu dans ma vie. Parce que, bah, tu sais, t'entends la musique française, ça anglaise, pas... américaine. Mais japonais, je me suis dit, bah tiens, les Japonais, oui, ils doivent faire de la musique aussi. Du coup, à quoi ça ressemble? Et j'en parle avec mes copines, et il y en a une qui me dit, ah, mais ça tombe bien, j'ai un album d'un groupe japonais que je viens de télécharger à l'époque. Hein. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ouais, bah oui, forcément. Donc, que j'ai téléchargé, je te le fais écouter. Et là, j'écoute la première chanson. Donc, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure parce qu'on me l'a demandé dans le chat. Une chanson qui s'appelle Merciless Cult d'un groupe qui s'appelle Dirangray. Là, c'est la baffe. C'est vraiment la baffe parce que les premières sonorités et ensuite la chanson en elle-même, grosse baffe, je me dis, mais c'est incroyable. Ça me parle tellement, vraiment le coup de cœur. Parce que jusqu'à présent, dans ma vie, la musique, ça me faisait vraiment ni chaud ni froid. J'étais là, oui, bon, les gens aiment bien, mais moi, ça me parle pas plus que ça. Et là, vraiment, c'était la baffe. Donc forcément, j'ai écouté tout l'album. Donc c'était un album de Dirangray. Ensuite, j'ai cherché tout ce que je pouvais sur Internet, sur Dirangray et les groupes qui ressemblaient à ça. Et à l'époque, hein, il y avait donc pas de YouTube, pas de Spotify, Teaser, pas de Spotify, non, rien artiste du tout. Suggéré, ça aurait bien aidé. Il n'y en avait pas du tout, donc c'était la belle époque des forums, et les forums c'était trop bien pour trouver des gens qui pouvaient te conseiller, justement, discuter avec des petites communes. Donc je tombe sur un forum de fans de Dirangray, Kagero, enfin ce genre de groupe. On discute, et puis je me mets comme ça à pouvoir écouter de plus en plus de groupes japonais. Je me dis, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est mon truc dans la vie. Faut que je creuse ça. Coup de cœur. C'est ça.
depuis cet âge-là, je me suis dit, dans ma vie, je ne sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je bosse avec des musiciens japonais, il faut que je fasse un truc avec le Japon, la langue japonaise. Et donc voilà, ça m'a tenu ma troisième, tout mon lycée, toute ma fac, et puis jusqu'à maintenant. Parce que je pense que j'écoute de la musique japonaise à peu près tous les jours, ou presque. Ouais. Voilà. Naruhodo. Mon rapport fusionnel. Ouais, c'est souvent comme ça. Il y a un truc qui nous fait des clics, et toi, apparemment, c'est la musique. Naruhodo. C'est ça, et puis forcément, tous mes voyages au Japon, en fait, étaient orientés sur la musique, puisque du coup, je suis tombée fan de musique japonaise avant d'aller au Japon la première fois. Donc, voilà, je faisais un peu mes voyages en fonction de mes concerts, les groupes préférés, machin, qui passent. Naruhodo. C'est comme ça que j'ai visité des villes. Trop dans lesquelles je serais peut-être jamais allée. carrément. Oh, mais c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui typiquement choisissent surtout pour les lieux à voir. Instagram notamment fait que j'influence souvent mes voyages, en tout cas les trois dernières années. Mais ouais, ça doit être cool aussi de voyager par rapport au groupe. C'est vrai que ça doit être une belle expérience. En fait, je connais bien les salles de concert japonaises, du coup. oui, forcément. Forcément. Ouais. Et du coup, alors là, c'est une question qui dérive un petit peu, mais... Le principe des salles de musique, des salles de concert et tout, genre, il y a des choses qui t'ont marqué, dans le sens, c'était un peu différent en France ou pas ? Ouais, totalement. Déjà, le concept de tu rentres en fonction de ton numéro de ticket. Ouais. Moi, la première fois, mon premier concert, j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris, donc un truc hyper important, mais il faut savoir le compter en japonais. Parce que quand t'entends, je sais pas, Bi 148, là, alors attends, moi j'ai un ticket, il y a un numéro, qu'est-ce qu'on vient de me dire ? B148, il faut rentrer, ah d'accord. Donc voilà, il faut savoir compter au Japon, c'est hyper important, pas que pour les concerts, mais ça c'était fondamental. Et puis derrière, le drink qui est obligatoire, c'est-à-dire que tu payes ta place de concert, et en fait t'as un drink ticket... que tu dois payer en général, c'est 500 yens de plus. Et moi, j'avais pas compris que c'était obligatoire au début. Donc, je me rappelle, je vais à un concert, on me dit c'est 500 yens pour les boissons. Puis, du coup, moi, je dis avec les trois mots de japonais que je connaissais à l'époque. J'avais que ça. Et on me disait non, mais il faut. Je dis non, mais ça ira, je vais pas boire. Non, mais il faut 500 yens de boissons. J'avais un peu insistante quand même, cette dame. Et du coup, je lui donne 500 yens. Et après, j'ai compris que c'est ça sur tous les concerts. Malheureusement. T'es obligé de payer ton drink ticket. C'est pour le fait de rentrer dans la salle. Du coup, t'as pas besoin de camper devant la salle pour être au premier rang. C'est pas plus mal. Ça évite les guéguerres, alors t'as pris ma place. Et... Surtout dans ce genre de concert, même en France, c'est souvent genre des gros fans, genre vraiment fans de cœur, et t'as envie de profiter le plus possible. Donc ça, c'est hyper confortable parce que franchement, tu peux arriver 20 minutes avant l'ouverture des portes, puis t'attends tranquille. Ça, et la dernière chose, vu que moi j'étais dans la communauté d'un courant musical qui s'appelle le Visual Kei, donc t'as plein de styles musicaux différents, ça passe de la pop au rock, au métal, enfin ça couvre plein de choses, mais t'as des codes qui se retrouvent un petit peu chez tous les groupes, dont les para-para. Donc le para-para, c'est danser avec tes mains. Trop bien. Aussi en J-pop, je pense. Genre, il y a des petites chorégraphies à apprendre et tout pour les concerts. Ouais. Trop bien. Chaque chanson a ses propres chorégraphies. En fonction, en plus, moi, ça fait plus de 15 ans maintenant que j'écoute du visu, mais je me sens vieille. Et du coup, tu vois aussi le para-para qui évolue. C'est pas les mêmes mouvements qu'il y a 12 ans, il y a 10 ans, etc. Donc ça a changé. Et puis, il y a des codes que tu verrais pas du tout en France, quoi. En France, tu verrais personne faire ça. Non Ça n'existe pas. Et... c'est plein de codes que j'ai appris grâce à ça. Naruhodo. Je sens que je vais être très curieuse. Je m'excuse d'avance parce que moi, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Avec plaisir. Pour débunker ceux qui se posent peut-être la question dans le chat, je ne suis pas une grosse fan de J-pop de manière générale et de tous les styles dérivés de... Voilà. Moi,
disons que je suis très centrée sur soit Kali Pamiou Pamiou, parce que c'était mon collège, hein, et elle est restée à jamais. Alors moi, c'est surtout les anciennes. Hein. Bon, il y en a une, en plus, attends, parce que j'ai envie de te dire, il y a une chanson, c'est Candy, hein. Alors, j'ai envie de dire, il y a mon nom dedans, je ne peux que la kiffer. Et vraiment, je me souviens de moi au collège, à faire Tsukematsu et tout le tralala. Ah, mais c'était... Voilà, et puis Kali, c'est toujours, ça sera toujours dans mon cocolo, hein, dans mon cœur à jamais. Et après, je suis très juste opening d'animé, mais du coup, je me restreins généralement à l'opening. Et je cherche pas trop. Donc voilà, ceux qui se posaient la question, moi, la J-pop, je m'y connais pas tant que ça. Donc je n'ai jamais été voir de concert. Donc c'est pour ça, je vais aussi poser plein de questions que vous vous posez peut-être. Donc voilà, je vais profiter de ma curiosité ce soir. On va apprendre pas mal de choses, en plus des choses en lien avec l'apprentissage japonais. Et du coup, bah, je rebondis, Joe, qui est là. Pareil, toi, un petit peu, ton lien avec la musique japonaise. Dis-nous tout. Ben écoute, moi, c'est un peu plus le bordel, parce que moi, en fait, c'est, enfin, avant la musique japonaise, c'est la musique. J'ai toujours voilà, été assez musical. J'avais fait du piano, puis j'ai fait pas mal de chants, et je fais encore aujourd'hui beaucoup de... Je fais de la comédie musicale. J'ai fait mon one-man show il y a deux semaines. Trop bien. À Paris. J'espère refaire à la rentrée. C'était un peu mon prototype, j'ai rien chanté en japonais, mais bon voilà. Et donc du coup, ça se reflète un peu dans ce qui m'intéresse dans la musique japonaise. Il y en a un peu partout. J'arrive pas à avoir une direction particulièrement précise. C'est un peu des trucs qui me tapent dans l'œil, et puis parfois c'est des choses assez improbables, tu vois. Après, c'est sûr que bon, quand j'avais 20 ans, que j'étais au Japon, il y avait les choses qui marchaient pas mal à cette époque-là, qui m'avaient beaucoup marqué, notamment bah, un peu les reines des idoles à l'époque, les Morning Musume. Où y avait effectivement aussi pas beaucoup de visu, même si j'ai jamais été trop... je me suis jamais trop concentré sur un genre, donc j'ai jamais du tout été expert, mais je trouvais ça quand même incroyable, enfin, rien, surtout pour l'aspect visuel, qui je trouve d'ailleurs peut-être était peut-être plus marqué dans les années 80-90 que c'était qu'après. La folie, hein. Ça en est. C'était quand même vraiment dément, les chanteurs de visu qui venaient dans des trucs hyper guindés sur des plateaux télé où tout le monde était habillé normal, et puis eux, ils avaient la coiffure de Cloud dans Final Fantasy. Trop bien. C'était, la laque. Enfin, toujours plus de hauteur. Ah bon, j'imagine les assistantes. Aïe, aïe, aïe. En mode panique. Mais je me suis aussi intéressé à des trucs beaucoup plus improbables, comme pas mal de variétés des années 70, du NK, un peu de city pop, parfois des trucs de l'ère Showa, ça va un peu dans tous les sens. Après, l'avantage, c'est que comme j'habite à Paris, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller à quelques concerts de musique japonaise. Pas tant que ça, mais j'ai vu qui ? J'ai vu l'Arc-en-Ciel, j'ai vu l'Arc-en-Ciel, j'avais vu Momo Hero Clover Z, j'avais vu qui ? J'avais vu Asian Kung Fu Génération au Bataclan, c'était très sympa ça. J'ai jamais vu de ma vie un épisode de Naruto. C'est pas grave. C'est pardonné. Mais j'aime bien aussi les trucs vraiment improbables. Des trucs comme notamment tout ce qui il y a des trucs très improbables dans le théâtre musical japonais, on aura peut-être l'occasion de reparler. Donc voilà, et puis comme j'aime chanter, ça a aussi été un moteur. Toujours été un peu frustré là quand j'étais au Japon, et puis que je voyais les paroles qui défilaient, que moi je disais putain je lis pas assez vite, même si au karaoké au Japon il y a pas toujours, mais dans certains. Souvent, t'as les furigana sur les mots, mais ouais, les plus connus, les grosses boîtes, ils les ont tous, les furigana. Voilà, ils ont les furigana, donc ce qui est sympa aussi pour d'autres raisons dont on parlera après. Mais voilà, donc c'est très vaste. Je suis encore très curieux. Il y a énormément. Enfin, je connais en fait quelques petits artistes par là. De temps en temps, je me dis tiens, ce truc-là, je vais le chanter. Tiens, ce truc-là, je vais aller regarder ce qu'il y a du côté des paroles. Mais c'est vrai que je suis pas spécialisé, ça va un peu dans tous les sens. Ok, grosse diversité musicale finalement, si on peut résumer. Ok, et donc du coup, par rapport à tout ce qui est plutôt apprentissage du japonais, on va reprendre avec Sophie. Toi, est-ce que c'est la musique quelque chose que tu
as utilisé ou utilises encore maintenant pour toi progresser en japonais ou pratiquer ton japonais? Ah bah totalement, totalement. En fait, de mes 13 à 16-17 ans, là où j'ai commencé officiellement à apprendre le japonais, pendant 3 ans à écouter je sais pas combien d'heures de musique japonaise par jour, quand tu commences à apprendre vraiment le japonais, tu te dis « Ah mais ça je connais, ça je connais, ça je connais, ça j'ai déjà entendu. » Et en fait, d'un coup, t'as plein de trucs qui se débloquent. Parce que ben, pendant 3 ans, j'ai écouté des trucs, c'était du charabia, hein, j'avais aucune idée de quoi on parlait. Mais à force de voir les titres des chansons et les noms des groupes écrits soit en katakana, soit en kanji ou autre, en fait j'avais appris visuellement que ben tiens, ce groupe-là qui s'appelle Nega, ça s'écrit avec deux trucs. Je savais pas que c'était des katakana à l'époque, hein, mais il y avait un ne et un ga. Et du coup j'ai retenu que ben en fait, ah oui, ça c'est le ne comme dans Nega. Donc je l'avais retrouvé au fur et à mesure. Il y a plein de kanji que j'ai appris comme ça, plein de katakana que j'ai appris comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que je me rappelle pas avoir vraiment appris mes kana, parce qu'en fait c'était un peu du memory visuel, parce que bah, j'avais ma playlist avec plein de trucs écrits en japonais, et puis du coup je me rappelais que ah, c'est tel groupe, ça s'écrit comme ça, donc c'est ça. Donc visuellement ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, les paroles, à l'époque, c'était super dur de se procurer des paroles en japonais, hein, donc j'en avais pas. Puis acheter des CD avec l'import japonais, c'était un peu compliqué, surtout quand t'es ado, tes parents n'ont pas forcément envie de t'acheter ça. La monnaie, elle est pas là. Ouais, donc j'avais pas forcément le visuel des paroles, mais j'avais les titres des chansons, les titres des groupes, enfin les noms des groupes, donc ça, ça m'a aidé. Et puis surtout, donc auditivement, ouais, j'écoutais plein de trucs. Tu sens à force qu'il y a certains mots qui reviennent tout le temps, genre les mêmes adjectifs, les mêmes verbes, et tu remarques qu'il y a des choses qui s'enchaînent toujours de la même manière, par exemple des formes en T, des adjectifs en T, des verbes en T, etc. Donc quand j'ai appris derrière, quand je suis arrivée dans des cours à la fac, et on nous a dit, ben voilà, les adjectifs, tu peux les transformer comme ça, les verbes, tu peux les transformer comme ça, ben en fait, ça m'a pas surpris, parce que je les avais déjà tellement entendus. J'étais « Ah bah oui, du coup, je sais pas, kurushi, ça devient kurushikute, nanana. » Ouais, ouais. Ça me... T'as eu des automatismes à force de les entendre. C'est okay. Ok. Ça, et derrière, bah, le fait d'essayer de chanter, au départ c'était du yaourt, hein, je savais pas du tout ce que je disais, et puis c'était très approximatif. Puis à force, bah, tu te forges l'oreille, et quand tu peux avoir les paroles, même en romaji, ça peut aider aussi, bah, t'essaies de chanter, et tu te dis « Ah ok, donc ce mot-là, cette phrase-là que j'entends, ça correspond à ça. » Je vais essayer de chercher avec un dictionnaire ce que ça veut dire, et du coup, t'apprends des mots, tu te perfectionnes, c'est du shadowing, en fait, hein, d'essayer de chanter par-dessus tes chansons, et ouais, ça m'a énormément aidée, et je pense que c'est pour ça que derrière, j'ai eu des facilités à la compréhension orale et à l'expression orale en japonais, par rapport à d'autres gens qui avaient quasiment jamais écouté de japonais, ouais. Ouais, narurodone. Et toi, Joe, du coup, c'était plus ou moins similaire, ou... Ou pas. Moi, je pense que c'était pas aussi intense, pas aussi intensif, mais c'est vrai que je trouve que c'est vrai qu'il y a un truc extrêmement satisfaisant qui se passe, une petite décharge de dopamine, le moment où tu écoutes, voire surtout tu vas réécouter une chanson que tu connaissais un peu, mais peut-être que voilà, il y avait, enfin, tu comprenais pas grand chose, et au moment où tu la réécoutes après que tu t'es familiarisé avec une notion de grammaire ou un mot de vocabulaire, tu vas dire ah merde, là il y a des trucs que je comprends que je comprenais pas avant. Et comme c'est avec quelque chose qui te procure de l'émotion, quelque chose que tu aimes, quelque chose qui t'intéresse, c'est double bonus, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc, je trouve, qu'on dit pas assez, parce que ça, parfois, ça peut un peu décourager les apprenants, mais le fait que de trouver des matériaux et des choses qui, de penser à qu'est-ce qui vous intéresse dans la langue, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce truc-là, c'est un super moteur. Donc, c'est compliqué d'apprendre, on va dire, d'apprendre une grammaire formelle, un peu, voilà, de passer ses examens en ne faisant qu'écouter de la musique japonaise. Mais quand on aime ça, c'est effectivement un truc qui peut te booster terriblement dans ta compréhension orale, dans le fait simplement, tout à l'heure tu parlais des accents américains, des accents français quand on parle japonais, bah, écouter beaucoup de musique
japonaise, c'est un truc qui aide à éliminer ouais. ces traces-là et qui comme disait Sophie, forge ton oreille et va faire que ces trucs-là, sans travailler, sans penser que c'est du travail, ça va t'aider. Et en plus, voilà, ça va te booster pour te donner la satisfaction, te donner parfois des petits objectifs. Moi, il y a des mots, je sais avec quelle chanson je les ai appris. Je suis sûr totalement. Que Sophie, c'est ça. Et tu le sais à quel moment même ce mot-là, tu peux pas le dissocier du petit mot, de la petite phrase musicale, de la mélodie, de la voix du chanteur, de la chanteuse. J'en profite. Et du coup, tu peux me donner un mot là, une chanson et Sophie pareil. On va donner un petit mot de vocabulaire en plus là aux gens. Ils sont super silencieux, ils nous écoutent super attentivement. On va leur faire travailler 30 secondes leur japonais. Nouveau mot, trois nouveaux mots ce soir. Vous allez peut-être en apprendre trois nouveaux. Je peux commencer si besoin de réflexion. Moi j'en ai un en tête. Vas-y. Moi, Kiali Pamiu, évidemment. Konsaten. Ah, Konsaten. 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 C'est exactement. Exactement. Sans. Donc voilà, moi, grâce à Kali, le petit Konsaten, du coup, qui veut dire un carrefour, hein, Konsaten, il ne restera jamais grâce à cette chanson. Pour Sophie, je ne sais pas si tu en as déjà en tête ou Joe. Vas-y. Moi, j'ai pensé au mot Tasogare. Qui veut dire le crépuscule. C'est un mot, c'est pas le mot pour dire ça. Et il est dans l'opening de, enfin dans pas l'opening, mais dans la chanson qui a au début du film du dessin animé Kiki la petite sorcière. Ah oui. Ujo Dengon. Naruhodo. Sogare machinami an kuruma no naka de. Naruhodo. Ok. Tasogare. Ok. Ja Sophie va. Et moi j'ai Uzu le tourbillon. Qui est le titre d'une de mes chansons préférées, de mon groupe préféré. Donc ça m'a marqué, d'autant plus que ils sont bien éclatés sur la pochette du single qui s'appelle Uzu parce que le candy justement est en forme de tourbillon, donc ça te marque doublement. Ah ouais, ça doit être pas mal comme. Bon, désolé du coup, Joe. Hein, voilà, je me sentais obligée de dire allez les gens, on va vous réveiller avec un petit peu de japonais. Voilà, Konsaten. Tasogare et il y en a d'autres qui vont nous sortir et qui vont venir pendant... C'est sûr. On fera des mini-sessions vocabulaire en japonais. Alors, on va faire des mini-sessions pour vous réveiller. J'espère que vous allez tous bien. Je vois que vous êtes super silencieux. En tout cas, j'imagine que vous nous écoutez avec attention. J'en profite, du coup, avec cette mini-pause pour vous encourager, si vous avez des questions, à les poser, que ce soit avec le point de chaîne ou non. Moi, je les prends au fur et à mesure et j'essaie de les intégrer sur les questions déjà préparées pour l'émission. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc du coup, Joe, je suis désolée, ça va peut-être compliqué, mais je sais pas si tu voulais continuer sur ta lancée, je t'ai un peu coupée. Je parlais Moi Non. La musique, j'avais des petits troubles de l'attention. Ouais, mais t'inquiète pas aussi. Non, donc ici, si on reprend un peu tout ce qu'on a dit, ça peut aider, je pense. C'est que dans l'apprentissage japonais, donc Sophie nous disait que c'était surtout avantageux pour tout ce qui était compréhension de l'oral. Et puis au-delà de ça, les noms, les titres et les noms des groupes, ça pouvait aussi aider à apprendre les caractères, hein, les kanji, les kana, etc. En tout cas, toi, c'est ce que tu avais vécu plus ou moins. Et puis toi, du coup, Joe, tu nous parlais plutôt du fait que des fois, tu reconnaissais des parties et je suis désolée, j'ai pas pris de notes sur tout ce que tu as dit, du coup, Ça me motive, tu vois. Voilà, la motivation, exactement, ce côté sentiment, c'est ce qu'on avait... C'est ça, c'est ce qu'on avait parlé notamment avec Sophie hein, et Gilles sur l'apprentissage du japonais et surtout les techniques de mémorisation qu'il fallait, qu'il y ait ce côté sentiment, que vous soyez un petit peu conscient de ce que vous faites et surtout vous y prenez du plaisir, ça c'était super important. Et forcément, la musique finalement, ça aide beaucoup, c'est un gros avantage que peut avoir, en tout cas si ça vous touche, hein, de travailler votre japonais avec la musique, c'est que au niveau de la mémoire, retenir une musique, c'est... D'autant plus que si c'est une chanson que t'aimes, tu vas l'écouter plein de fois. Exactement. Et ça, donc, c'est le pas cerveau, il adore, exactement, il est friand de tout ça et il y a toujours ce côté plaisir qui est très important. Donc là, finalement, on a continué naturellement sur la deuxième question que j'avais en tête, c'était de parler des avantages et des inconvénients d'utiliser la musique avant de parler de méthodologie, hein, plutôt faire un plan large sur les avantages. Donc là, on a déjà cité donc, le fait qu'on pouvait travailler
nos caractères finalement, faire une association caractère et son, ou tout du moins nom des groupes notamment. On a parlé du coup de cet aspect voilà, plaisir hein, à écouter plusieurs fois et que ça favorisait la mémorisation. On pourrait rajouter quoi pour les avantages ? Est-ce que vous avez d'autres points en tête ? Ce que tu disais, Jo, juste avant, moi, ça m'a vraiment marqué. C'est typiquement les chansons que j'écoutais quand j'avais 13-14 ans. Et pour X raisons, je ne les ai pas réécoutées pendant peut-être 10 ans. Et d'un coup, tu les réécoutes. Et donc, tu as gagné en skills en japonais. Mmh. Et là, tu te dis, mais ça parlait de ça, en fait, depuis tout ce temps. Révélation. Dis, c'est ça. Et ouais, c'est hyper gratifiant parce que tu te compares à ton toi d'il y a peut-être 2 ans, 5 ans ou 10 ans qui comprenait rien du tout à l'époque et d'un coup tu comprends, ça peut être un mot, une phrase, voire même la chanson entière. Moi j'ai des chansons entières où maintenant je me dis oh, ok, ça n'a plus du tout la même saveur ou quoi. Parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien, mais... Et complètement, j'ai eu un truc comme ça l'autre jour, je sais plus avec quoi c'était comme chanson, et je me suis rendu compte que c'était une chanson, pour la première fois, je l'écoutais sans... Je me rendais compte que je comprenais les paroles sans faire un effort particulier d'écoute. Voilà. Mon écoute était beaucoup moins attentive que quand je le faisais d'habitude pour écouter des chansons où je me disais, bon là, je veux vraiment me concentrer pour bien comprendre les paroles. Et ouais, c'est comme tu dis, c'est hyper gratifiant, hyper valorisant. Ouais. Et ça arrive pas tout de suite, et ça arrive par petites touches. Donc faut célébrer les petites victoires. Le moment où tu vas te reconnaître. Une phrase ou un mot déjà qui sort sans. C'était le verbe machin. C'est ça. Exactement. Faut célébrer ces moments-là et pas. Il faut vraiment avoir le verre à moitié plein, même s'il est à 10% plein en termes de compréhension. Quoi, faut le voir à moitié plein. Sa tête, parce que c'est ça qui te porte après, quoi. Et j'allais dire, c'est du ça. Coup, est-ce que vous vous souvenez justement d'une chanson qui vous a marqué dans le sens où vous avez compris ? Est-ce qu'il y a un titre qui vous vient en tête ? Encore une fois, je vous laisse réfléchir, et moi, forcément, en vous posant cette question, c'est qu'il y a quelque chose qui m'est revenu. Moi, l'une des premières fois où j'ai eu cette révélation, c'est l'opening de Tokyo Ghoul. Le Oshiyote, Oshiyete, j'étais là en mode. Ouais. A compris. Et le Boku no Nakani, Dareka Iruno, j'étais en mode. Ouais. A compris. C'est vraiment genre la première grosse révélation que j'ai eue. Et au-delà de ça, moi j'ai un peu. Pas peur, mais j'hésite à réécouter du Kiari Pamiu consciemment. Parce que forcément, collège, mon niveau japonais, c'était du zéro. Vraiment, au collège, j'ai commencé au lycée en rentrant en LV3. Et à part Pan Pan Pan, du coup, avec Concertaine, hein, ce qu'on a parlé tout à l'heure, ou celle-là, je l'ai étudiée. C'est une des seules même que j'ai vraiment étudiée dans le but de la comprendre. Toutes les autres, je ne les ai jamais vraiment remises consciemment pour essayer de les comprendre. Donc, je vais peut-être essayer après l'émission, on ne sait jamais. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez eu un petit flashback... Ouais, bah moi c'est vraiment les musiques que j'écoutais quand j'étais au collège lycée et que j'ai pas forcément continué à écouter derrière. Et puis par nostalgie, des fois tu te repasses un album et tu te dis waouh. Donc j'ai pas forcément un titre en particulier, mais des artistes de l'époque quoi qui parleront probablement à personne dans le chat, mais ça m'a fait pas mal ça. Et pour toi, Joe ? C'est compliqué comme question, je suis désolée. Non, mais j'ai repensé au moment où j'ai compris, c'était dans l'opening d'Evangelion, les paroles sont assez surréalistes et compliquées. Il y a un passage où j'avais... peut-être l'année dernière, quand j'avais appris le mot Itaike, qui veut dire innocent, et qui était associé à Itaike na Hitomi, c'est-à-dire la prunelle innocente de tes yeux. À ce moment-là, j'étais là... Et c'est là que je me suis dit... Oui, il veut vraiment rien dire cet opening, mais il est quand même génial. C'est ça. Ça veut rien dire, mais qu'est-ce que c'est classe. C'est trop classe. Même quand je comprends les mots, je me dis qu'ils avaient fumé la moquette. Et voilà. Et c'est sûr que un truc qui est sympa dans les avantages avec
le fait de s'intéresser à des textes de chansons pour apprendre le japonais et ça, c'est que tu vas, bah, sûr, tu vas pas voir ce que tu vois dans ton manuel tradit. Ouais. Hein. Tu vas pas voir les trucs de tes premières leçons. Alors parfois, tu vas tomber sur des trucs totalement un peu invraisemblables, un peu bizarroïdes. Mais je trouve que aussi pour apprendre des expressions un peu de je dirais un peu actuel, un peu du slang, un peu de l'argot, des choses comme ça. Parfois, tu vas aussi tomber là-dessus dans les chansons, des façons dont certains mots qui ont un sens premier que tu connais, mais qui peuvent avoir un sens figuré, un sens un peu d'argot que tu connais pas. Bah, typiquement, voilà, c'est avec les BD, avec les dramas, les dramas, avec des podcasts ou avec des chansons que tu vas tomber sur ce genre d'utilisation un peu plus original, et du coup ça va te sortir un peu de ça peut aussi t'ouvrir un peu les chakras, quoi, te faire voir des Malheureusement. choses un peu différentes. Parce que du coup, c'est drôle que toi tu le considères comme étant un avantage. Parce que moi, finalement, je l'aurais plus pris comme un inconvénient. Parce Il y que a du deux coup, côtés, il y a c'est deux ça. côtés. Parce que Je du l'aurais coup, mis un peu dans la case inconvénient, c'est ça. J'allais mais. dire, du coup, Ouais. bon, là, on va peut-être commencer aussi un peu à parler méthodologie, mais comment tu fais pour comprendre des formes que tu trouves pas finalement dans des manuels? Hey! Tout, Parce que si moi je commence à donner un début de réponse, en tout cas ce qui me vient à l'esprit, c'est que en fonction de notre niveau de japonais, il y a des choses où on n'a pas souvent besoin de traduire, de chercher le sens pour finalement ressentir un peu ce que ça veut dire. Et à l'inverse, on a tellement un peu ce côté expérience qui fait que, ah ouais, ça veut dire ça. Genre, ça serait étonnant que ça ne veuille pas dire ça. Et en dehors de ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de forums qui doivent exister, ou tout du moins des endroits où on peut trouver des informations sur ça. Je pense High Native notamment, généralement il y a plein de questions sur ce genre de choses. Mais en dehors de ça, quand il y a justement du slang ou des choses vraiment très nouvelles finalement, que limite c'est la chanson qui ramène ça dans la langue, comment on fait? Est-ce qu'on abandonne, ou il y a une technique secrète parmi vous là que vous allez nous livrer? Moi, j'ai pas de technique secrète, hein. Il y a parfois des trucs encore qui me font que je me dis, bon, là, en fait, je suis pas complètement sûr, en fait, de ce que voulait dire chanteur, mais c'est pas grave, la chanson est cool, tu vois. Donc, faut pas oublier aussi ça. Il y a pas mal, il y a quand même pas mal de sites où tu as aussi des traductions, hein, des gens qui essaient de traduire les chansons. Alors, faut toujours prendre ça avec une pincette. Moi, quand je fais des traductions de chansons, je préfère faire entre guillemets, des mauvaises trades, c'est-à-dire des trades qui visent surtout à Le faire sens. comprendre Ouais. le sens, et puis pourquoi la phrase elle est organisée comme ça, pourquoi la grammaire elle est comme ça, en fait c'est quoi ce truc, pourquoi là le Je truc suis qui. totalement d'accord, parce que justement, moi, quand je m'intéresse à des traductions de chansons ou autres, des fois tu tombes sur des trucs et en fait tu regardes le japonais, tu regardes le français, tu te dis, mais en fait le mec, c'est pas emmerdé, quoi. Vraiment. Il a bon, tout un couplet, il a traduit une phrase et ça ne veut rien dire, ça C'est n'a pas la rien même à voir. chose, ouais. Du coup, si tu penses mot pour mot que le français, c'est le truc en japonais, c'est faux en fait. C'est pas du tout ça. Non, Donc, ouais, moi, je suis mais vraiment c'est tellement partisane de ça. bien. Mais c'est Je vrai que. préfère que ma traduction soit moins poétique en français, mais qu'elle soit fidèle au japonais. Ouais. Pour moi, je réécris pas la chanson en français, je la traduis, c'est pas Ouais. pareil. Mais c'est d'ailleurs pour ça que, en fait, c'est dur quand notamment tu tombes sur par exemple, des animés où tu vas avoir une traduction en sous-titres, et tu dis à la fois, ben, là, dans ce cas, je me dis, bah, c'est un peu le devoir du traducteur de faire quelque chose qui soit vraiment intelligible en français et à peu Ouais. près fluide en français, quitte à ce qu'il prenne pas mal de liberté avec le texte d'origine, parce qu'il est obligé, sinon il va faire un truc. Voilà, Indigeste écrire mot pour parfois. mot l'inestimable prunelle innocente de tes yeux, c'est A pas dur à écrire. compris, c'est ça. Tu vends pas beaucoup la série, hein, quand tu Ouais. mets ça dans l'intro. Mais du coup, quand on s'y intéresse, enfin, je pense qu'il faut, comme Sophie disait, il faut pas trop crédule parfois. Ouais, quand tu vas voir la traduction de ta chanson d'anime, ton opening d'animé, il faut te dire, c'est un truc poétique. Donc C'est en ça. vrai, si tu veux vraiment étudier le truc,
Ok, reviens vraiment, repars vraiment du japonais, te dis pas, ah, on dit ça comme ça en japonais parce que c'était là dans mon sous-titre de mon anime, et ça, là, ça c'est dangereux. Ça, il faut faire attention, on peut se faire vite avoir, vite piéger. Enfin, là, c'est plutôt un problème lié à la traduction en elle-même, hein. D'autant plus que dès qu'on est sur des poèmes de la chanson, il y a ce côté littéraire où il faut faire quelque chose de joli. Donc, ouais, faites tous attention quand vous voulez peut-être traduire un texte, mais. En même temps, vérifiez un peu avec une traduction déjà proposée. Dites-vous qu'elle a été travaillée du coup, par des traducteurs qui, en plus, sont généralement spécialisés dans le fait de traduire. Et donc, ils ont ce côté, on écrit de belles choses, hein, ce que nous, les Français, la langue française, aiment beaucoup. Donc voilà, remettez aussi en question ce que les traducteurs font. C'est pas toujours proche du japonais. Donc des fois, la phrase n'aura rien à voir. Et le texte traduit sera peut-être plus beau, mais pas identique. C'est ça. Et surtout, là, pour moi, c'est l'un des désavantages, des choses qui sont compliquées avec les chansons en japonais, c'est que c'est fait aussi pour être beau et poétique. Donc, t'as pas des phrases qui sont explicites avec sujet ou le thème de la phrase. Des fois, tu sais pas qui parle. Ouais. Est-ce que c'est je ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est vous ? On sait pas qui est le thème de la phrase ou le sujet. Des fois, t'es obligé de dire, ok, bon ben, si tu veux le traduire, tu pars du principe que c'est le narrateur qui parle, c'est « je », et parfois ça va être « tu ». Donc ça aussi, il ne faut pas le prendre comme, on va dire, c'est comme argent comptant pour la traduction. Il y a une question d'interprétation finalement, comme, que ce soit dans notre langue ou dans les autres langues, je pense que le problème se pose peut-être moins en français parce qu'on sait qui fait quoi généralement. Mais... C'est ça, c'est surtout qu'en français, tu as forcément « sujet ». T'as un sujet dans ta phrase, sujet, verbe, ce qui n'est pas le cas en japonais. Donc parfois, t'as pas de thème, t'as pas de sujet et t'as pas de verbe. T'as juste un magnifique, phrase. Un vide de sens. Bien, le désavantage du japonais, qui est une langue qui a, pour être signifiante, a besoin de pas mal de contexte, sauf que quand t'es dans une chanson que t'écoutes toi là, le contexte, il y en a pas beaucoup, tu vois. Ouais. Le clip peut-être, je sais pas si ça peut aider. À la rigueur, si c'est lié à, voilà, si t'as encore un clip, si c'est pas trop craqué, quoi. Un spectacle. Ou d'une comédie musicale ou d'un animé, ça te donne plus de contexte pour ça te donne des perches à saisir pour essayer de comprendre mais qui raconte quoi dans ce bazar là. Et il y a Itokatsu dans le chat, je vois qu'il y a une remarque qui est excellente aussi parce que je m'y suis un peu brûlé les ailes, c'est concernant la traduction ligne à ligne, c'est comme la syntaxe du japonais est généralement très inversée par rapport au français. Souvent quand tu vas vouloir traduire un truc, tu vas avoir une phrase dite par un chanteur, mais en vrai, si tu avais voulu dire le truc en français, tu aurais commencé par le truc de ce que dit le chanteur dans la phrase d'après. Et donc, ça fait que quand tu t'en traduis, et notamment dans nos fameuses génériques d'animé, parfois tu vas avoir une traduction qui est affichée pendant une phrase, mais qui en fait te traduit la phrase d'après. Sous-titres et tout ça, elle va être traduite après parce que c'est comme ça, c'est la syntaxe de la langue qui fait que si tu veux être compréhensible en français, tu commences pas par les mêmes choses. Ouais. Et donc ça, c'est aussi un vrai point de difficulté. Ça c'est une grosse difficulté que j'ai rencontrée parce qu'on a fait quelques reels sur Instagram avec des petits bouts de chansons genre La Reine des Neiges ou même Jingle Bells en japonais. Et en fait, comme on est obligé d'afficher la phrase en japonais et en français sur un laps de temps très court, et que pour moi c'est hyper important que la personne ne pense pas que ce qui est en japonais, enfin voilà, t'es obligé que ça aille ensemble. C'est ça. C'est un vrai casse-tête. Ouais. C'est un vrai casse-tête. Ah bah là, j'imagine bien. Pareil, moi, c'est des choses que j'ai pas fait, donc je peux pas argumenter plus, mais je pense qu'on a déjà pas mal d'arguments sur ça. Donc ouais, inconvénient finalement, c'est dès que vous voulez traduire, il y a tout ce côté finalement littéraire et poétique d'une chanson qui est compliqué à garder, surtout quand on cherche à faire quelque chose de didactique, enfin tout du moins lié directement à l'apprentissage du japonais. Après, évidemment, si vous voulez prendre des libertés et juste essayer de, dans un premier temps, comprendre le sens et réinterpréter, ça, évidemment, vous pouvez le faire. Mais du coup, faites attention à l'inverse, quand vous voyez des choses qui ont été proposées comme traduction en français, de toujours remettre en question la traduction et de pas non plus dire « Ah, mais la traduction, elle est nulle !» Non, la traduction, elle est faite certainement pour avoir quelque chose de beaucoup plus poétique. C'est pas forcément une mauvaise traduction. Et c'est le même problème qu'on peut avoir sur les sous-titrages, pour les animés. Beaucoup de personnes vont dire « Ah, ça veut pas dire la même chose !» Mais des fois, c'est pas le fait de faire mot à mot, finalement, ce qui est dit en japonais qui est important, mais plutôt la compréhension globale. En français, encore une fois, la langue française fait que on aime bien
reformuler les choses pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc gardez ça en tête quand vous allez utiliser, que ce soit les animés finalement, ce qu'on a déjà parlé, et la musique aujourd'hui. Voilà, gardez ça en tête, je pense que c'est important. Et puis il y a ce côté avantage-inconvénient d'éléments plutôt complexes, dans le sens où peut-être qu'elles sont très peu visibles de manière générale dans l'apprentissage du japonais, ou peut-être même aussi un peu tout ce qui est dialecte. Je pense que dans certaines musiques, ça doit aussi se refléter. Et je ne connais pas, par exemple, de manuels qui apprennent à parler un dialecte. Donc, il doit y avoir toutes ces petites choses qui se rajoutent à cette notion-là qu'on a pu aborder. Je ne sais pas si vous voyez, du coup, d'autres inconvénients. Je sais qu'on avait plus ou moins, dans une autre émission, parlé un peu, du coup, de la prononciation. Parce que si on parle des accents et ce genre de choses, des allongements, et des fois, c'est pour la musique... Alors justement, je voudrais peut-être revenir là-dessus. Ça peut être un avantage et un inconvénient. C'est ça. Donc tout à l'heure, Joe disait que justement, pour prononcer mieux le japonais, sonner moins gaijin, la musique, chanter par-dessus tes chanteurs préférés, c'est cool. Par contre, derrière, il faut comprendre aussi que c'est une démarche artistique. Donc parfois, ils vont mettre des allongements là où il n'y en a pas réellement en japonais. Voilà, il faut toujours vérifier, en fait. C'est le principe de base, c'est croiser les sources. Donc, c'est pas parce que t'as entendu ça dans une chanson que c'est la vérité absolue. Et puis, faire gaffe aussi à certains chanteurs qui ont parfois un style où ils chantent avec une certaine affectation, tu vois, où ils vont un peu mâchouiller les trucs, donc te dire « correct, le cossé, hein, la manière de... Ouais. T'as pas mal de chanteurs qui en ont pas. Qui chantent vraiment de façon assez limpide, sans accent particulier de manière, puis t'en as, et c'est c'est un peu comme si t'apprenais le français en écoutant Julien Doré, tu vois, Julien Doré il parle comme ça, il y a des Julien Doré japonais, Julien Doré, ça, hein. Donc, faut se méfier de ça. Faut aussi se méfier. J'y repensais quand tu parlais des kanji, Sophie. De temps en temps, ils prennent aussi pas mal de liberté artistique pour le choix des kanji et pour mettre certains mots. Parfois, tu vas avoir un mot, tu vas te retrouver avec un mot en kanji avec au-dessus des katakana et tu vas pas comprendre. Et ça, pareil, c'est du pur choix artistique. C'est des trucs que souvent les Japonais eux-mêmes, dans la vraie vie, ils n'utiliseraient pas du tout ces kanji. D'ailleurs, si vous voyez le truc, ils diraient, mais c'est quoi ce truc-là? C'est bizarre. C'est pour faire des effets, quoi. Donc, il y a ces effets-là. C'est un choix artistique, quoi. Ouais, parfois, tu vas tomber sur un truc. Faut aussi toujours revérifier parce que parfois, le mot que tu auras vu avec un certain kanji dans une chanson, peut-être que c'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment un choix nawak de l'auteur. C'est pas le cas la plupart du temps, mais Et justement, en parlant de prononciation, de ksé, tout ça, de petites manies qu'ont, de mimiques, quoi, de tics, c'est seulement en français, de tics que certains japonais peuvent avoir. Quand on dit que les japonais peuvent pas prononcer le son V, eh bien, c'est faux, parce que j'ai un chanteur et une chanteuse en tête. En fait, la particule wo, donc la particule de COD wo, en fait, les deux le prononcent vo. Et vraiment, t'entends un V. Et à chaque fois que je les écoute, je suis là, mais vous êtes japonais, vous n'êtes pas censé faire ce son-là dans votre bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment, tu les entends, ils chantent wo. Et c'est fou. C'est très bizarre. Ouais. Mais oui, non, mais carrément. Bon, du coup, il y a Ito Katsu qui dit « Imagine, t'imites une chanteuse de Enka quand tu parles. » Wow, imagine bien, ouais. Mais oui, hein, du coup, finalement, ça regroupe un peu ce que l'on a déjà dit, mais faites attention quand vous écoutez quelque... Alors, quand on écoute, ça va, parce qu'il n'y a pas cette histoire de kanji, finalement, c'est juste la compréhension orale. Mais dès que vous travaillez sur un texte, que ce soit, finalement, le texte, le nom de la chanson ou l'auteur, vous checkez tout, vous regardez pour être sûr, c'est ça. Donc, ouais, faites attention. Finalement, ça reprend beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Enfin, les avantages et inconvénients sont plus ou moins similaires, finalement, aux animés. Ouais. Il y a quand même vachement de points communs. Après, la seule différence, finalement, que je trouve, personnellement, c'est qu'il y a moins ce côté artistique
dans les animés. Forcément, on est plutôt sur un langage oral, même si c'est oral animé, dans la musique. Là, c'est surtout ça le point. Il faut faire attention. Hein, on est sur de l'art, la musique. Hein, donc, non, mais en fait, c'est très comparable à la poésie. Hein, quand tu prends des haïkus, c'est pareil. Exactement. C'est pareil, t'as pas forcément de sujet, de verbe, tu sais pas trop qui parle ou quoi. Ouais. Et puis ça, tu vas tomber sur des mots très poétiques, très jolis, que tu utilises pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc c'est un peu la même démarche. Sans dessiner, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce côté point négatif, enfin plutôt les inconvénients et les avantages, je pense qu'on a fait le tour. J'ai une petite anecdote juste liée. Comme ça, on conclut. Vas-y, je t'en prie. La première fois que je suis allée au Japon, donc j'avais 15 ans, je parlais pas du tout japonais à l'époque. Hein, je savais juste dire bonjour, merci et où sont les toilettes. Et je suis arrivée dans une famille d'accueil, donc eux qui parlaient français, une famille d'accueil à Gifu pendant 3 semaines. Et justement, les personnes m'ont dit qu'est-ce que tu connais comme mot en japonais ? Et je connaissais quand même quelques mots, mais issus du coup des chansons que j'écoutais. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup de chansons du visu, mais genre du métal, des trucs un peu dark, machin, tout ça. Donc en fait, mes premiers mots en japonais, c'était genre Kitoku, l'agonie, Zetsubo, le désespoir. Ils étaient là. Tu vas bien, Sophie ? Oh non ! Donc voilà, c'est un peu les premiers mots que j'ai appris en japonais, que je reconnais encore à l'heure actuelle, donc ça m'a bien marqué, mais c'était très drôle, voilà. C'était pas très good vibe, quoi. Dans les chansons, c'est surtout, alors, en fonction de l'artiste que tu choisis, tu vas pas apprendre le même vocabulaire entre Kiali Pamu Pamu et puis genre dire en grec. C'est clairement pas, clairement pas. Naruhodo. Ah mon dieu. Mais oui, voilà, donc... je perds mes mots, mais je pense qu'on a plus ou moins dit tout ce qui était vraiment... Faites attention à ces points-là, hein, ça peut vous jouer de mauvais tours, sinon. Et du coup, on va plutôt passer cette fois-ci au côté méthodologie. Comment est-ce que vous recommanderiez d'utiliser une musique ? Je pense que déjà, la première chose qu'on peut se poser, c'est comment choisir la musique ? Déjà, parce que... Que ce soit un truc que t'aimes. Enfin, ça, c'est... Voilà, c'est le critère number one. C'est ça, possible. Quelque chose qui parle. Pas forcé à écouter Kaeru no Uta 76 000 fois sur YouTube. Vaut mieux des choses qui te plaisent, quoi. C'est ça. Parce que si c'est fait avec passion, tu vas la réécouter sans que ce soit une contrainte. Déjà. Ouais. Une musique qui vous plaise et que vous allez pouvoir réécouter parce que justement elle vous plaît de nombreuses fois. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que personne ne peut pas être d'accord de toute manière. Ça m'étonnerait quelqu'un de dire non, c'est pas possible. Et donc, du coup, imaginons, voilà, je prends une chanson au pif. Je n'arrive pas évidemment à évaluer le niveau. Il y en a des plus faciles que d'autres, mais je prends une chanson. C'est comme pour les animés, du coup, il y a deux compétences qu'on peut faire. Soit on se base sur de la compréhension orale, soit on se base sur de la compréhension de texte. Qu'est-ce que vous pensez ? On va commencer par la compréhension orale. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui va aller le plus vite parce que c'est très global, c'est de la compréhension orale. Vous, comment vous faites pour travailler la compréhension orale, du coup ? Si on prend la musique. Ouais, vraiment, le conseil que je donne, parce que j'ai déjà des élèves qui m'ont posé cette question, c'est voilà, j'aimerais bien progresser en japonais avec les chansons, comment je fais. Donc déjà, voilà, choisis un truc qui te plaît. Et ensuite, en fonction de ton niveau, évidemment, si t'es vraiment très, très, très débutant et que tu sais dire, peut-être bonjour, merci, au revoir, bon, on va peut-être se concentrer sur quelques mots de vocabulaire dans la chanson, par exemple le titre, vu que c'est quelque chose que tu vas voir beaucoup. Peut-être que dans ce titre, il y a des choses, des mots de vocabulaire qui vont être utiles, voire même la totalité que tu as envie d'apprendre. Ça, c'est cool, parce que dès qu'elle va repopper dans ta playlist, tu vas revoir le titre et tu vas dire « Ah oui, ça veut dire ça !» Donc ça peut être un bon élément. En général, les choses qu'on mémorise le mieux, ça va être le début de la chanson et les refrains, parce que c'est ce qui nous marque le plus. Ouais. Donc pourquoi pas s'intéresser à la première phrase de la chanson et éventuellement au refrain. Là, c'est pareil, hein, on cible en fonction de son niveau. Si on est grand, grand débutant, on retient quelques mots de vocabulaire et c'est déjà cool. Quand tu vas réécouter ta chanson, tu vas dire « Ah oui, ce mot-là, ça veut dire ça ». Après, pour les élèves un peu plus avancés, peut-être qu'ils ont déjà validé un N5, 4, voire même un 3 carrément, là, on peut commencer vraiment à s'amuser. Et ce que je recommanderais, ce serait de t'intéresser vraiment, de choisir une chanson où quand tu l'écoutes, tu comprends déjà des choses naturellement. Tu dis, ok, j'ai déjà repéré du vocabulaire. À partir de zéro. Ouais, c'est ça. Parce que vraiment, si t'as une chanson
Donc si par exemple t'as un N4, N3, s'il y a une chanson où juste tu comprends mais rien de rien, alors que tu l'as écouté genre 15-20 fois, c'est peut-être que le niveau est encore trop dur. On peut peut-être choisir une autre chanson, il y en a plein. Et justement, je pense qu'on aura des recommandations peut-être à vous faire pour les plus grands débutants. Donc, je sais pas si t'as des choses à rajouter par rapport à ça, Joe. Non, je trouve ça, non, c'est très très juste. Et effectivement, de pas être trop ambitieux forcément tout de suite. Voilà, comprendre le titre de la chanson, comprendre le refrain, c'est déjà super. Ce qui est parfois frustrant quand, voilà, si par exemple ce que tu adores c'est le hip-hop, ça va être compliqué puisque franchement le hip-hop japonais c'est chaud patate, ouais. Hein, moi je comprends que dalle. Hein. Même, je pense que même un japonais qui a un excellent niveau de français, tu lui mets du hip-hop français, il va pas avoir du mal. Hein. Même le rap ou ce genre de choses, ouais. Dès que moi, c'est correct, rapide finalement aussi, dès qu'il y a ce facteur vitesse qu'il faut analyser alors que t'es à peine sur ta première phrase, parce qu'il y en a déjà 10 qui sont passés. Bon, ça, c'est problème de compréhension de l'oral, c'est compliqué et comme vous le dites en français, on l'a aussi. Hein, donc, Et aussi, effectivement, poser des questions aussi, ou parfois ça va être, même si c'est une phrase où tu te dis, bon, c'est une chanson que j'aime beaucoup et cette phrase-là, franchement, je comprends rien, mais c'est une phrase ou deux phrases. Chercher à travailler cette phrase-là, demander à ton prof ou à des copains ou aller chercher un peu dans des forums, et sélectionner des petits snippets au début, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, quoi. Et aussi, justement, le fait de pas être trop ambitieux et de pas se frustrer sur « je comprends vraiment rien », petite anecdote qui est vraie, hein, bien sûr, pour nous faire, on va dire, déculpabiliser de tout ça. Mon groupe préféré, donc qui s'appelle Kagura et qui est un groupe en fait qui base leurs textes sur des légendes japonaises, du folklore vraiment ancien. Les textes de leurs chansons, surtout les premières chansons, sont extrêmement complexes. Ils utilisent du vieux japonais, des termes que le japonais lambda comprend pas. Et justement, un coup, j'étais partie en voyage du fan club, donc j'étais la seule gaijin avec toutes les japonaises, et on pouvait aller discuter avec les 5 membres du groupe, donc je m'étais greffée à un groupe qui était allé parler au chanteur, et en fait, il y avait une des japonaises qui lui disait donc, Ishi-san, est-ce que vous pouvez m'expliquer ces paroles-là, parce qu'en fait, je les comprends pas. Donc si même une japonaise ne comprend pas certaines paroles de chansons, c'est pas grave si vous ne comprenez pas. Ça en est, c'est vrai que c'est important de le dire. Si même les Japonais même des fois ont des problèmes de compréhension, tout le monde ne comprennent pas, vous c'est encore plus normal. C'est ça. Et justement, c'est vrai que les groupes qui se basent en général sur tout ce qui est folklore, conte, vraiment culture japonaise ancienne, en général les paroles sont très complexes. Donc c'est pas ce genre de groupe que je conseille, en tout cas pas pour apprendre le japonais quand on est grand débutant, quoi. Par contre, pour écouter, c'est super cool. Pour ça, se faire plaisir. Sans, je suis tout à fait d'accord avec toi, du coup. J'en perds mon fil. En fait, je vous écoute, du coup, je suis plus concentrée sur mon rôle d'animatrice. Je suis en mode, ah ouais, ok, je note. Je prends des infos au passage aussi. Mais du coup, ouais, donc là, on a parlé. J'ai l'impression qu'on répond un peu aux des questions de à la fois la compréhension orale et à la fois la compréhension de l'écrit. Moi, c'est assez lié, hein, pour les C'est chansons. Ça. Généralement, de manière générale, ça vaut le coup assez vite de regarder l'écrit, je pense, parce que c'est vrai que c'est quand même facile d'avoir des doutes, hein, sur ce qu'on entend. Surtout si on va taper des voix avec un peu plus de tic, un peu plus d'affectation. C'est pas mal de. En plus, c'est une bonne occasion de. Voilà, hein, si au début on se dit tiens, je cherche des trucs en japonais, bah tiens, tu vas t'installer un clavier japonais sur ton ordinateur, tu vas te le configurer, tu vas apprendre 2-3 mots, tu vas apprendre comment on dit parole, hein, d'une chanson par exemple en japonais, puis tu vas tomber dessus. et donc ça, voilà, ça va te permettre de te friter un peu plus avec la langue, quoi. Sans dessiner. Et donc, du coup, bon, ça va être un peu redit avec ce qui a été dit pour les animés, parce que vraiment, on est, je pense, sur une méthodologie plus ou moins similaire, même si y a moins ce côté de mots spécifiques ou compliqués à comprendre, ou tout du moins, le fait qu'il n'y ait pas de sujet, ou voilà, contextualisation, hein, pour essayer de comprendre. Quelles seraient pour vous les étapes
pour essayer de traduire une chanson. Parce qu'en fait, on a déjà dit pas mal de choses, si je reprends avant de vous donner la parole et que je fais un petit récap, c'est que, bien évidemment, par rapport à votre niveau, vous n'aurez pas tous les mêmes capacités. Pour certains, ça va être juste comprendre quelques mots, pour d'autres, quelques phrases, pour d'autres, toute la chanson, parce que le niveau sera avancé. Mais voilà, ça, c'est des choses que vous devez faire petit à petit. Mais voilà, si on part du principe qu'on est quelqu'un qui a un bon niveau, ce que j'espère pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, vous arriverez à atteindre, en tout cas, vous arriverez à atteindre vos objectifs personnels. Et donc, peut-être que parmi ces objectifs, c'est de savoir... de comprendre toute une chanson en entier. Quelles seraient pour vous, du coup, les étapes un peu fondamentales ? Et je pense qu'on peut, dès maintenant, introduire cette notion de ressources. Qu'est-ce que vous utilisez pour vous aider, justement, à comprendre une chanson ? Je ne sais pas si... Qui veut commencer ? Qui se sent le plus apte, le plus... Y aller, si... Du coup, bah, moi, c'est ce que j'utilise soit pour moi quand je veux traduire une chanson, soit ce que j'ai déjà fait, on a déjà fait des ateliers avec des élèves de traduction de chansons. Ce que je leur propose de faire, c'est de commencer donc, par... Donc là, on est sur l'écrit, hein, on a le texte, on a les paroles en japonais. C'est déjà de scanner, voir quels sont les mots qu'ils connaissent, donc ils peuvent surligner d'une couleur, par exemple, et quels sont les mots ou les passages vraiment où ils comprennent rien du tout, et là, on va peut-être le mettre dans une autre couleur. Donc la première chose pour moi, ce serait de scanner le vocabulaire. Ça permet aussi d'ailleurs de voir si la chanson elle est d'un niveau qui est vraiment trop élevé pour toi ou pas. Donc on va dire que là, t'es parti sur une chanson, t'as sélectionné ta chanson qui correspond à peu près à ton niveau. Donc si t'as déjà le vocabulaire, tu vois déjà un peu de quoi la chanson elle parle. Souvent le titre, ça peut aider aussi. Et ensuite, on va s'intéresser vraiment couplet ou refrain en un seul bloc, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le chat et avec Joe, c'est que on peut pas prendre juste une ligne et se dire bah ça c'est une phrase. Ouais. En général, ça s'étale sur deux voire trois ou quatre lignes pour tout comprendre. Donc après on va travailler par bloc et puis là on va effectivement rechercher s'il y a de la grammaire qu'on comprend pas, du vocal, etc. Donc là après moi les ressources que j'utilise personnellement, moi j'ai un dictionnaire électronique japonais. Après, en termes de grammaire, s'il y a vraiment des choses qui bloquent, maintenant, la magie d'Internet fait que quand tu tapes ça dans Google, t'as souvent des explications, donc des explications en japonais ou en anglais, voire en français, si t'as de la chance. Et puis bon, on y va, voilà, bloc par bloc. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Après, t'as peut-être d'autres choses à proposer, Joe ? Non, mais je trouve ça très bien, effectivement, surtout bien... comme tu dis, un premier scan de l'ensemble et puis après procéder par groupement. Moi, j'aime bien éventuellement commencer par le refrain parce que voilà, comme c'est le truc qu'on entend le plus, je trouve ça sympa de commencer peut-être par regarder celui-là et essayer de le traduire, surtout quand c'est vraiment exactement le même refrain. Parfois, le refrain a des petites variations de paroles, donc c'est moins évident. Mais de trouver un support écrit assez vite, je vais mettre dans le chat là, un site de parole que je trouve plutôt bien, sur lequel on tombe quand on fait de la recherche Google, hein. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là, il y a pas mal de gens qui soumettent aussi des traductions avec des... À faire attention, c'est vrai que j'avais passé des trucs un peu hallucinants dessus, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais surtout pour récupérer le texte japonais d'origine. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il y a le texte japonais et... ils mettent des romaji, mais si on va avoir une... Enfin, c'est mieux d'avoir une transcription en kana, donc pareil, utiliser des plugins comme Ikaikun, Yomichan, tout ça, ça aussi, c'est indispensable à mettre dans son navigateur pour pouvoir... regarder les lectures des kanji qu'on ne sait pas lire et puis éventuellement se créer des fiches de révision avec les mots de vocabulaire. Je pense le plus la première étape, c'est trouver les paroles, se les mettre dans un document où on va pouvoir les maltraiter un peu. Word est ton ami pour ça, hein, clairement. C'est ça. Et puis après s'ajouter au fur et à mesure. Je pense qu'il faut, si on n'a pas encore le niveau ou si on n'est pas, on n'a pas un groupe de travail ou un prof ou pour éventuellement clarifier complètement certains points de grammaire,
Je pense qu'il faut pas non plus trop s'entêter. Hein. Ouais. Faut, si évidemment on se dit, bah, tant pis ce truc-là, peut-être que je comprendrai jamais, je le comprendrai jamais avec un niveau de certitude 100%. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. L'essentiel, c'est s'il y a une chanson qui vous a appris 5 mots, c'est canon, quoi. Hein. C'est Et ça, tant pis, vous n'avez pas exactement. l'impression d'avoir tout compris. Hein. C'est ça, C'est ouais. surtout ça qu'il faut. Qu'il faut garder parce que, ouais, comme le dit Sophie, parfois il y a vraiment des trucs qui peuvent être un peu sujet à interprétation, difficile à comprendre des Japonais, rien que les noms des groupes eux-mêmes, c'est déjà tout un poème. Hein, Ouais. Les Asiatiques, de manière générale, adorent faire ça en plus, donc ils sont très, très, très doués. Si Je je suis peux me d'accord. permettre, je partage dans le chat justement trois fiches Oh oui. de traduction. En fait, j'ai traduit trois openings d'animés. Shingeki no Kyojin, Death Note et Tokyo Ghoul. Et justement, j'ai mis donc en téléchargement gratuit les fiches de vocabulaire et de grammaire classées par niveau. Donc, si vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé, je pense que ça pourra vous aider à Ah, comprendre un petit peu mieux ces trois génial! openings. Oh mon Dieu, je vais aller faire un petit tour après. Et Kino Kyojin à la fin là sur le il se lâche sur certains choix de kanji, certaines lectures là sur Ouais, certains trucs. Ça a c'est beau hyper être du intéressant, shonen, ouais. c'est vraiment pas voilà, c'est pas C'est pas évident. il y a vraiment du japonais compliqué dans ce truc là hein. Ouais, ouais. Bah, ça, Ils on cherchent est. beaucoup de façons de dire rouge, écarlate, ce genre de choses là, ça les dérange. Après, poétiquement Oui. parlant, le japonais, ça reste du coup une langue qui a beaucoup de possibilités finalement, qui se peut se faire plus de liberté que nous, on en a le droit en français, peut-être même en anglais, j'imagine. Du coup, les Japonais adorent s'amuser avec les kanji, ils adorent profiter Ouais. de leur système On n'a pas ce d'écriture. luxe C'est ça, nous, on d'avoir n'a deux pas mille et. façons d'écrire le même mot, mais Ouais. juste avec des petites nuances C'est ça. Et ils ont plein de façons différentes de faire ressentir des choses et d'exprimer des choses. Donc ils les utilisent souvent à haut potentiel, un peu trop pour nous, des fois, pauvres étudiants que nous sommes du japonais. Mais on fait comme on peut. Et encore une fois, hein, on l'a répété sur d'autres émissions, mais quand vous essayez de faire de la compréhension, notamment compréhension d'animé, de manga, de musique, quelque chose qui est plutôt lié au divertissement, peut-être les émissions, un peu moins, mais quand c'est moins proche de la vie quotidienne, il y a souvent des choses que vous n'arriverez pas à comprendre. Si déjà vous faites une compréhension globale, ne serait-ce que 80%, 70% déjà, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et dites-vous que même des Japonais eux-mêmes, des fois, ne peuvent pas comprendre, relativiser beaucoup sur ça. C'est voilà. Chose À importante lâcher à votre retenir. perfectionnisme. Voilà, c'est ça. Faites comme Sophie et lâchez le Apprendre dans la vie à perfectionnisme. lâcher du lest. Exactement. Voilà. Satisfaisez-vous, pardon, de ce que vous pouvez comprendre et vous verrez que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, peut-être même quelques années, il y a des choses qui vous paraissent super compliquées aujourd'hui, mais qui du coup après ne le seront plus parce que vous aurez progressé. Donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps aussi pour progresser en japonais et avancer. Et ça vaut pas que pour le japonais, je pense que ça vaut pour votre vie de manière générale. Ouais. Mais voilà, je ne sais C'est pas vrai. si vous avez des choses à rajouter sur le point de vue méthodologie ou tout du moins peut-être des ressources qu'on n'a pas encore évoquées. Vous dites, ah, ça, je ne l'ai pas placé, mais ça serait bien de le transmettre. Moi, comme je l'ai dit, j'utilise pas vraiment la musique. La seule chose que je fais finalement, c'est le karaoké. Alors sur YouTube, karaoké! C'est exactement ce que j'allais dire. Bah J'allais voilà. dire bah, YouTube en fait. Exactement. Maintenant qu'il y a YouTube, tu peux avoir plein de chansons avec les sous-titres en japonais. Ouais. T'as souvent les furigana. Ouais. Donc, enfin, c'est génial en fait comme Ouais. ressource. Ouais, donc C'est voilà, tout ce gratuit, c'est qui illimité. est avec C'est top. Furigana, dès que vous pouvez avoir un texte et l'essayer de lire peut-être en même temps que vous écoutez, tout ça favorise beaucoup, pas mal de choses. Donc ouais, Et même, j'ai vu que même Kikironai. les applis de streaming comme Spotify maintenant avaient de plus en plus Il y a les paroles. les paroles Ouais. qui Ouais, il y a défilent ça hein, aussi. Il n'y a pas les dessus. furigana, mais il y a les paroles. Donc ça, Ouais, il n'y a pas les furigana. c'est C'est plutôt déjà cool. pas mal. Ouais, Ouais, mais comme exactement. il y a les paroles et puis qu'elles sont vraiment synchronisées au défilement de la chanson, je pense que C'est ça. voilà, ça permet pas Ouais, mal tu peux de faire le associer truc voilà et des choses. puis. Tu te fais une capture d'écran et puis tu utilises
reconnaissance de caractère de Jisho en essayant de dessiner ton kanji et tu peux y arriver. Ouais. Je suis vraiment en train de me dire que pour la saison 2 de l'émission, il faut qu'on arrive à faire un live spécial ressource pour aider à traduire, à comprendre le japonais, tous les plugins, etc. Qu'on essaye de se faire un truc pour voilà, montrer comment on fait pour utiliser chaque chose, parce que là, on a sorti plein de noms. On va essayer de récupérer tous les liens, etc. pour vous les transmettre. Mais voilà, je garde ça dans un coin de ma tête et peut-être qu'un jour, vous verrez une émission ou un stream qui vous parlera de ça. Il y a des choses, plein de choses. J'imagine sur vos chaînes respectives, vous devez peut-être en parler. Hein. Donc sur YouTube, n'hésitez pas à aller checker toutes les informations qu'on a déjà, enfin qu'on vous met à disposition, mais voilà. Du coup, on arrive déjà plus ou moins vers la fin des questions que moi j'avais préparées. Si dans le chat vous avez des choses vraiment particulières, des points qui vous intriguent ou des choses plus personnelles, n'hésitez pas à les proposer dans le chat, à poser vos questions. Et du coup, en attendant, bah, moi je vous pose ma toute dernière question. Quelles seraient du coup les chansons que vous recommanderiez à des débutants? Alors, je pense que l'idée, c'est qu'on essaie d'en donner un certain nombre. Comme ça, il y a un fort taux de probabilité qu'il y en a au moins une parmi celles toutes celles qu'on va dire qui va plaire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui regarderont le replay. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Ouais. Moi, j'en ai quelques-unes sous la main. Déjà, là, quand on parle vraiment débutant, donc je vais m'adresser aux grands débutants. En fait, c'est deux chansons que j'ai mises justement dans la formation pour apprendre les kanas. Donc vraiment au tout début, quand on veut juste s'entraîner à apprendre les kanas, et du coup on peut choper des petits mots de vocabulaire. Sur la chaîne YouTube Learn Japanese with JapanesePod101.com, il y a pas mal de chansons. Alors des comptines plutôt pour enfants, hein, là oui. C'est assez enfantin. Mais c'est vachement bien. Oui. C'est vachement bien juste pour vous entraîner. Donc, je vous en partage quelques-unes. Celles que moi, j'aime bien, il y a la chanson de l'éléphant. L'éléphant, la maman éléphant avec son bébé éléphant qui est trop mignonne, qui est hyper tranquille. Donc, pour faire du karaoké et s'entraîner à lire les kanas, c'est super bien. Et il y en a une autre qui est la chanson du curry, du curry rice. Du curry rice. Ça donne envie. Bien. Et donc là, tu as les ingrédients en fait, qui apparaissent. Donc, c'est super en fait, pour retenir le nom des ingrédients, tout ça. Donc ça, c'est deux chansons que je peux recommander pour les grands débutants qui veulent juste découvrir et s'entraîner au kana. Et puis après, si on parle de vraie musique, ouais. C'est très péjoratif ce que je viens de dire, mais... On a compris. Parle, voilà, de pop, plus travaillé, c'est rock, ça, plus artistique. Exactement, avec une démarche plus artistique, on va dire. Bah là, je vais vous partager vraiment des artistes que moi j'aime et dont les chansons sont relativement abordables. En tout cas, c'est des chansons que j'ai rapidement comprises dans mon apprentissage. Donc, on va dire d'un JLPT4, quoi. Ouais. Quand on a quand même un petit bagage en japonais. Je vous partage les noms des artistes dans le chat. Donc, il y a la chanteuse qui s'appelle Aimé. Donc, c'est le... Ah oui Qui est assez connue, je pense. Voilà, la chanteuse Aimé. Donc, Aimé, ça s'écrit comme le verbe aimer en français, à l'infinitif, hein, A-I-M-E-R. Le groupe qui est séparé, mais qui est vachement bien, Vivid. Alors, faites attention, parce qu'il y a un groupe de K-pop qui s'appelle aussi Vivid. Ce que j'allais dire, là, moi, ça me parle plus côté K-pop. Voilà. Je suis là. Le groupe japonais Vivid, donc j'ai mis vraiment la bonne écriture, c'est avec les V et les D en majuscules et les I en minuscules. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez taper Vivid Visual Kei, vous allez trouver. Les paroles sont assez accessibles. Et ma dernière... Opening de Bleach, c'est de ce que je vois. Je sais pas si... Alors, je suis hyper nulle pour les openings. En fait, moi, je connais les artistes. Ah oui, mais pas les liens. Bah, apparemment, du coup, pour ceux, à la limite, pour qui ça parle plus, c'est vrai, un des openings de Bleach, apparemment. C'est de ce que je vois sur YouTube. Est-ce qu'ils mettent le nom? Là, il marque juste Bleach opening. Alors, attends, je sais pas. T'es sur le stream en même temps, donc je te mets ce que je vois. Là, c'est une... Une réinterprétation, je pense. Ah oui, Blue okay. Vivid. Ah oui, Blue. Ah donc, oui. Ok. Voilà, je savais pas que c'était un opening voilà. de Bleach, pas très bien. Je peux pas vous le mettre parce que sinon sur YouTube ça va retirer tout ce qu'on dit. Oui. Et... Mais voilà, vous avez le visuel donc vous pouvez. Bon, là c'est pas le groupe qui chante apparemment, je sais pas. Dis-moi, moi je connais pas du coup. Bah si. Si c'est eux. Bon, bah c'est eux. Mais
Ça a l'air. Faudrait lancer, mais j'irai regarder après. Ça marche. Mais c'est pas... Si, ça a l'air d'être eux. Si, si, ah, je mets le lien aussi, du coup. Et puis, un petit dernier, le chanteur Satsuki, qui est mon chanteur préféré, enfin, en tout cas en termes de voix, c'est vraiment le chanteur que j'adore. Et dans sa carrière solo, ses paroles sont assez accessibles. Donc, par exemple, la chanson Pray for the Sun, je vous la note ici, Pray for the Sun. C'est la première chanson japonaise que j'ai traduite quand j'étais encore... Ça date d'il y a quelques années, hein. Je pense que j'avais un N4, tout petit N4 ou 5. Oh. Donc c'était assez accessible. Ça marche. Voilà, on se semait. Je mets un petit lien comme ça, si les gens ils ont juste envie de cliquer pour mettre en favori, vous pourrez l'avoir. Et du coup, toi, Joe, est-ce que tu as des petites recommandations ? Alors, moi, c'est, voilà, comme je disais au début, le truc, c'est que moi, c'est un peu éparpillé. Mais on va arriver à faire des trucs. Là, pendant que Sophie parlait, je me suis souvenu d'une chanson que j'avais trouvée. Alors, je vais pas vous mettre des trucs pour les grands, grands débutants, parce que je pense que, effectivement, les trucs de Japanese Pod 101, c'est vachement bien. Donc, c'est de la vraie musique, mais avec des gens qui parlent de façon assez compréhensible. Donc, j'ai une chanson qui s'appelle Sayonara par Sakurako Ohara, mmh. qui est vachement bien. Ça, c'est typiquement une chanson où, quand j'ai commencé à l'écouter, je me suis dit, c'est marrant, je comprends vraiment tout. Et donc, je pense qu'elle peut être assez accessible. Il y a aussi le groupe Goose House, qui a pas mal de chansons, ils font pas mal de covers. Et ça, c'est plus. Pour la musique, je trouve ça vraiment sympa, donc je vais le mettre aussi là-dedans. Plus récemment, il y a des... alors, c'est un peu... Alors, ouais, aussi quand tu as parlé de Aimé, moi, j'ai pensé à Aimion, qui est une chanteuse que j'aime bien aussi, qui a pas mal de chansons, et puis parfois, c'est très calme, donc... du coup, il n'y a pas beaucoup de mots, du coup, on a vite fait le tour de la chanson, du coup, c'est assez satisfaisant. et puis sinon, de qui je pourrais parler, de Higedan, Official Higedan Dism, je trouve qu'ils ont des... Ils parlent, même si il y a pas mal de choses, ça peut être assez long, pardon. L'avantage, je trouve que le chanteur a une diction vraiment pas mal. Je sais jamais comment ils écrivent leur nom là. Typiquement, ils mettent des majuscules bizarres. Donc, ça se trouve, je l'ai mal écrit, mais c'est Official Higedan Dism. Leur chanson Pretender. Je pense que, en plus, je trouve que c'est vraiment une excellente chanson. Elle peut être assez accessible. Et moi, j'avais fait. En fait, j'ai plus du tout le temps, mais à une époque, j'avais fait. Je sais pas combien j'en avais fait. J'en avais peut-être fait une dizaine. Et de live traduction, oui. de chansons. Je sais que Higedan, cette chanson-là, je l'avais fait. Il y en a quelques autres que j'avais fait. Tu l'avais fait sur Twitch, tu l'as remis en replay sur la chaîne YouTube. Je l'avais fait sur Twitch et je pense qu'ils sont en replay sur mon YouTube. Comme ça, les gens pourront aller. Même du fil de la playlist. Attends, je vais essayer de trouver l'URL de la playlist. J'arrive. Et donc, pour glisser une petite référence là qui m'est revenue, vas-y. Pour les personnes qui n'aiment pas forcément tout ce qui est pop ou mou, etc., le chanteur Ko, donc là, oui. On est plutôt sur du rap. J'allais le dire. Et ben, ses chansons sont assez accessibles. Ouais, et ouais. Notamment, une de mes préférées, c'est Tatoui Letai, donc je vais me faire tatouer. Qui me parle. Donné. Donc, je vous la partage, Ko, donc K-O-H-H. Voilà, pour ceux qui aiment je un suis autre totalement style. D'accord. Le pire, c'est qu'on est connecté parce que j'allais vraiment vrai le donner aussi en au fait, niveau rap parce cool. Que, ouais, justement, c'est pas toujours ouais. Très représenté. Et Ko, ouais, je l'ai découvert assez rapidement dans mon apprentissage du japonais. J'ai plus le nom, mais tu sais, dedans il y a bimbo. Et c'est grâce à cette chanson que j'ai retenu du coup le mot bimbo oui, qui veut dire pauvre, hein, bimbo, nan. Ouais. Quelque chose de ce style-là. Mais ouais, Ko, plutôt cool. Il y a des chansons qui vont vraiment vite, mais il y en a d'autres qui oui, vraiment... Oui, il faut les sélectionner. Mais voilà, genre, sont... Tatoui Letai, elle est easy, quoi. Exactement. Ouais.
Et moi, alors, en plus, si je peux rajouter une chaîne que j'aime beaucoup, et je l'aime juste à cause d'une comptine, je sais pas pourquoi, c'est une comptine avec des biscuits. Et ceux qui regardent les cours de japonais, des fois, je la passe parce que je la trouve trop mignonne. C'est genre une histoire où dès que tu tapes dans ta poche, les biscuits, ça, y en a de plus en plus. Enfin, c'est vraiment un truc pour les enfants. Et la chaîne, elle s'appelle Pond Pond Academy. Je sais pas si ça vous parle. Mais pareil, c'est plein de comptines. On dirait un titre de chanson qui arrive pas mieux, pas mieux. Exactement. Tout est lié, tout est lié. Je pense que c'est elle est diplômée de la Pompon Academy. Ouais, non, et puis les filles, elles sont là, elles font les petites chorégraphies, voilà, il y a toujours ce côté un peu faire des gestes et tout qui vont en même temps avec ce qu'on dit et tout. Donc n'hésitez pas à regarder. Dans un premier temps, généralement les comptines, c'est assez accessible finalement et ça reste pour les enfants, donc c'est pas quelque chose de non plus. Ben voilà, vous allez pas être en attente d'une qualité artistique, vous allez juste être là pour voilà. Et moi, encore une fois, je vais vous le mettre dans le lien, je vais essayer de la retrouver. Fushigina Biscotto, les biscuits Fushigi, donc étrange, mystérieux, Fushigina Biscotto. Attendez, je vais vous la trouver. Et puis justement, le but des comptines, c'est aussi de répéter beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, vous apprenez pas mal de finalement de mots accès débutant, hein, vu que c'est pour les enfants. Et donc forcément, ça va être sur les comptines, en tout cas, où au début de votre apprentissage, vous allez pouvoir tirer des éléments utiles dès le début. Alors que si on est sur quelque chose de plus artistique, il y a des mots qui, des fois, peut-être ne vous serviront à rien, que vous n'allez jamais dire, que vous allez comprendre. Donc, Zetsubo. Voilà. Par exemple, encore Zetsubo, ça va Zetsubo, encore, tu vois, mais... voilà, Kitoku, moi, je l'ai jamais croisé, pas beaucoup, en tout cas. Donc voilà, ça, c'est mon petit bonus que je peux vous rajouter en tant que chaîne YouTube. Et en plus de ça, je peux aussi vous conseiller, ça, c'est quelque chose que moi, je fais, c'est pour ceux qui n'aiment pas forcément la J-pop, mais qui aiment la K-pop. La K-pop, vous le savez peut-être, ils font les versions japonaises. Donc, vous connaissez le rythme. Connection. En général, c'est assez simple. Ouais. Parce que moi, c'est pareil, j'écoute... Enfin, c'est triste, mais j'écoute surtout les versions japonaises. Oui, oui, bah, oui, c'est ça, quand il y a un style qu'on préfère plus. Je pense que je suis plus sensible à la langue japonaise. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'elles sont vraiment faciles à comprendre. Ouais, non, mais c'est ça. Il y en a de... Moi, c'est notamment BTS que j'ai beaucoup travaillé sur les traductions, enfin, les versions japonaises, du coup. Moi, j'ai eu un vrai choc parce que forcément, je ne parle pas coréen, je ne comprends pas le coréen à part deux, trois phrases, deux, trois mots. Et du coup, moi, je suis le style de personne qui ne va pas forcément chercher le sens des phrases. Je m'en fiche, je passe un bon moment, j'entends l'ambiance, ça me va et tout, un peu triste, un peu joyeux, on s'ambiance, ça me suffit généralement. Et du coup, quand je les ai switchés en japonais, j'avais pas forcément besoin non plus d'avoir une super grosse attention, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Joe, pour comprendre finalement ce qu'ils disaient. Et je me suis rendu compte qu'ils parlaient quand même beaucoup d'amour et j'étais en mode... Je savais pas, mais ça parlait beaucoup d'amour. Et du coup, ensuite, j'ai dit, ah, d'accord, en fait, il parlait de ça depuis le début. Donc voilà, n'hésitez pas. Les groupes de K-pop sont souvent une version japonaise. Donc si vous aimez la K-pop, c'est un peu perturbant au début. Moi, je sais que du coup, je suis très habituée à chanter le coréen sans le comprendre, juste phonétiquement. Et que du coup, quand j'essaie de le switcher pour le chanter en japonais, j'ai des gros problèmes de... C'était pas le bon rythme, c'est pas les bons mots. Donc forcément, il faut revoir la mélodie. Je peux les chanter qu'en japonais, du coup. C'est ça, on se comprend. Mais quand j'entends encore rien, je suis là, mais c'est pas c'est ça. C'est bizarre. Mais ouais, non. Donc voilà, c'est aussi une possibilité. Et inversement, il y a beaucoup d'inversements, excusez-moi. Mais tout ce qui est chansons connues, donc ça peut faire partie des comptines. Tout à l'heure, tu as parlé de Jingle Bell ou quoi. Vous avez les équivalents japonais, très souvent, en tout cas, ça se trouve. Et tout ce qui est Disney aussi. Allez le dire. Oui, Disney, c'est génial. C'est une mini ah, oui. pour le japonais c'est et ça. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple, d'autant plus que si vous connaissez le Disney en français, vous savez de quoi la chanson elle parle c'est et ça. C'est quasiment toujours pareil en japonais. Quoi. Ouais. Bah, après, ça, moi, je connais toutes les chansons Disney en japonais. Je les connais pas en français ni en anglais, mais alors en japonais. C'est ça. Moi, je sais que l'une des chansons que j'ai le plus chantée en karaoké et que du coup j'ai travaillé, c'est La Reine des Neiges, Libérée, Délivrée, Yukino Mamano, celle-là, c'est du par cœur.
Elle est vraiment... en plus, elle n'est pas rapide. Donc, même si vous ne connaissez pas et que vous voulez lire avec les Fuligana au karaoké, le rythme vous permet de suivre. Et en plus, il n'est pas si différent, finalement, que de la version, nous, française. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu du mal à devoir retravailler le rythme à cause du changement de langue. Donc, voilà. Ça, les Disney, n'hésitez pas. On a fait un petit reel, justement, Instagram sur Yuki Darumatsukuro. Donc, si vous voulez vous le passer, il est sur Insta. N'hésitez pas. Voilà, c'est je sais pas. Top, Disney, ouais. Si vous avez d'autres petits trucs, moi j'arrive au bout de mes recommandations. Ouais, bah, je vous partage. Alors là, pas pour, pas spécialement pour apprendre et travailler pour les débutants, mais juste si vous avez envie de vous mettre à la musique japonaise et vous savez pas du tout par où commencer, je vous partage ma petite playlist perso. Voilà, c'est les artistes que j'écoute le plus, en fait. Ah, donc, arigato gozaimasu. Je vais aller regarder ça. Pas mal de métal, mais pas que. Vous pouvez regarder la tête de l'artiste. J'allais dire, en plus... Ça paraît trop sombre, vous passez à autre chose. Tu reviens du Hellfest, toi, donc. On a vu des petites, des petites soirées pour ceux qui suivent Sophie. Forcément. Nalurodo ne... Arigato gozaimasu. Ouais, n'hésitez pas à regarder les playlists, hein. il y en a pas mal, même si toutes les plateformes effectivement se valent pas, sont pas toutes pas bien garnies en J-pop, on trouve quand même pas mal de choses, parfois des choses un petit peu plus rares aussi, donc moi je militerais juste pour le fait d'être super curieux, d'aller regarder aussi du côté voilà, des choses un peu plus anciennes, années 80, 70, 60. Il y a vraiment des bijoux incroyables. Voilà, moi il y a une chanteuse que j'adore qui bon, c'est un petit peu déprimant mais c'est superbe, qui s'appelle Hako Yamazaki. Et je vous conseille vraiment de un petit peu ce qu'elle fait. Et puis voilà, ce qui est sympa, c'est qu'une fois que vous avez commencé à lire des trucs, à faire des trucs comme ça, c'est que vous allez avoir dans vos suggestions, dans vos recommandations et tout, d'autres trucs. Et ça va, voilà, ça va vous permettre de mettre le pied dedans sans forcément avoir toujours un effort conscient d'aller chercher ce type de contenu. Donc baladez-vous sur YouTube, cliquez sur ce qui vous plaît et likez les trucs qui vous intéressent. Après, vous aurez de plus en plus de suggestions. Merci tout le monde, merci pour vos suggestions. Je regarde, j'espère que j'ai pas loupé de questions. J'ai pas eu l'impression que on n'ait pas répondu aux questions qui avaient été posées dans le chat. Côté radio, pour écouter des morceaux, vous avez des recommandations aussi? Ah, alors radio, moi je m'y connais pas du tout. Est-ce que vous connaissez des radios où on peut entendre J'avoue que j'écoute pas du tout la radio. Je t'avoue. Ouais. Dans aucune langue. La fonction radio, mais... Il y a tellement maintenant de YouTube et Spotify résout beaucoup de problèmes, généralement. Je n'en connais pas, malheureusement. Je réfléchis, parce qu'à un moment donné, j'ai écouté beaucoup de radios pour découvrir de nouvelles musiques. Au Japon, tu dois trouver des trucs, non? Mais voilà, c'est... Ça en est... Donc ouais, non, désolée pour les radios. Ouais. Bah si tu marques ton style de musique sur Play Store plus radio, tu dois certainement avoir des applications où voilà, les mots clés sont vos amis comme toujours. Mais malheureusement, moi j'en ai pas à proposer. Je n'utilise pas la radio, malheureusement. C'est insane. donc voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure là, sauf si vous avez une dernière chose à rajouter. Ça va? Ouais. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a dit beaucoup de choses. Encore une fois, si vous avez des questions, soit sur le replay qui sera disponible sur YouTube, vous pouvez vous déchaîner et poser les questions que vous n'avez pas eu l'occasion de poser là et que vous n'avez pas pensé peut-être. Sinon, vous retrouvez nos chers invités sur les différents réseaux sociaux. Voilà, ils parlent souvent de musique. Vous en doutez, s'ils sont là, c'est qu'il y a un lien avec la musique quelque part. Donc n'hésitez pas. Moi, je vais vous proposer du coup passer à la suite, fin d'émission, fin de soirée, avec un petit concours d'anecdotes. Je suis désolée, j'ai oublié de vous le rappeler. J'espère que vous avez des petites anecdotes en stock. Je me suis, sur le coup, je me suis dit mince, et en même temps, je me suis rappelé que
il y avait des choses dans vos vies qui sont passées, que ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc pour ceux pareil qui ne connaissent pas encore le principe de l'émission, hein, je l'ai dit en début, mais on va passer à un petit concours d'anecdotes. Donc c'est clairement à la McFly et Carlito, ça va être une anecdote plus ou moins courte, plus ou moins longue, ça va dépendre des invités, et vous allez essayer de deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc là je vais demander au modo, est-ce que un modo actuellement encore présent sur le chat peut faire un signe comme quoi il est là, que je n'ai pas à m'occuper de la prédiction. Est-ce que vous faites dodo les modos ou pas? C'est dormir. C'est ça, est-ce qu'il faut dodo? Quoi qu'il en soit, est-ce que... Qui veut commencer? Qui... Je ne sais jamais, j'aime pas désigner les gens. Bon bah Joe. Ouais. Ça te va? Allez Joe. Non, en fait, je t'ai vu faire. Du coup, j'ai fait bon bah Joe. Donc je te laisse raconter et puis Sophie et moi on aura le droit à te poser quelques questions après pour essayer de voir si c'est vrai ou si c'est faux. Très bien. Eh bien, j'ai... Alors ça remonte à pas mal de temps, c'était que j'étais au Japon il y a une vingtaine d'années. Et j'étais dans une famille d'accueil, c'était sympa parce qu'en plus j'avais passé 2 semaines dans une famille d'accueil puis après j'avais pu... trouver un stage dans la même ville, du coup je revoyais encore beaucoup ma famille d'accueil le week-end, ce qui m'évitait d'être un peu tout seul parce que bon, j'avais pas encore forcément beaucoup de relations là-bas. Mmh. Et c'était un week-end où j'étais retourné 2 jours dans cette famille d'accueil là, et il se trouvait que le dimanche midi, j'avais rendez-vous avec des Français qui étaient aussi dans le coin. Sauf que je m'étais hyper mal organisé et j'avais pas compris ce que je... Enfin, bref, j'étais censé prendre un bus pour aller dans le centre-ville, c'était une ville moyenne, bref, donc des bus, il n'y en avait pas tout le temps. Et donc, à un moment, la maman de ma famille d'accueil qui me dit « Mais attends, tu vas rater ton bus, tu vas rater ton rendez-vous, tu vas pas pouvoir aller voir tes amis. » Donc elle vient me presser et là je me dis « Ah merde, je vais aux toilettes en catastrophe. » Et puis après je cours en dehors de la maison. Et je commence à courir pour aller à mon arrêt de bus. Et là pendant que je cours, au bout de... J'ai peur. Moi aussi. Je ne vois pas la chute. Jonathan. Et donc, c'était ma Ocas, hein, qui était en train. Puis, en plus, elle est assez petite, elle est petite pour sur pattes, elle avait un peu dans mon bras et tout. Donc, et c'était en plein milieu de l'été. Hein, et elle court et elle tout. Je la vois qui tient la main. Chaussures. Oh, c'est parti. Sans chaussures. Je regarde à mes pieds. En fait, c'était pire que ça. Non seulement j'avais pas mes chaussures, j'étais en pantoufles, et que c'était les pantoufles des toilettes. Ah oui. Pantoufles, oh mon Dieu. Surtout pas sortir des toilettes. Avec le picto WC. Oui. Parce que déjà, tous les jours, je passais la moitié de la journée, enfin en gros, à partir de la première fois où j'allais aux toilettes, après je passais le reste du temps avec les pantoufles. Ça, changer de pantoufles en entrant, oui, en sortant, non. Et donc, là, j'étais vraiment en panique totale. Et donc j'étais carrément sorti de la maison avec ces pantoufles que j'avais déjà, que j'avais déjà portées dans la maison, ce qui ne se faisait pas. Et donc elle me les a données. Et voilà. Oh c'est mon Dieu! Un grand moment de. Je veux que ça soit vrai! Dans ton anecdote, quand t'as parlé des toilettes, je me suis dit. Il y a un est-ce truc! Que ce serait pas ça? Est-ce que c'est pas les fameux chaussons? Ouais. On a tous gâché avec ce truc! Oh non! Oh, alors, je sais même pas, Sophie, est-ce que t'as une question à poser? Une question qui te vient en tête pour voir si c'est vraiment vrai ou si c'est faux? Quelle couleur les chaussons? Bleu. Ah ouais, bah. Bleu, ok, non, parce qu'il y en a des rouges aussi. Ça en est. Non, ils étaient bleus. Il y avait carrément. Enfin, il y en avait un, c'était marqué. Non, c'était marqué WC derrière. Et. Enfin, est-ce que c'était. Non, pas WC, toilet. C'était marqué toilet au dos. Et dessus, il y avait un chiotte.
dessiné. Genre très explicite, quoi. Le normalement, bus avec ça. Vois, oh là là. Aïe, 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 nouvelle mode. Quand t'es grand, tu regardes pas tes pieds, je sais pas. Non, mais nouvelle mode, c'est tout. T'es incompris, non, non, Joe. Mais... Et non, bon, je pense que là, il n'y a pas vraiment de questions à poser. C'est est-ce que Joe nous brain excellemment bien ou est-ce que c'est juste totalement ça? Et dans ce cas, c'est très drôle. Je vous lance la petite prédiction. Je crois pas avoir vu mes modos. Donc là, c'est le même principe. Hein. N'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne. À miser, c'est comme le casino. Si vous gagnez, bah, vous remportez plus que votre mise initiale. Donc selon vous, est-ce que l'anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? J'en ai vraiment aucune idée. J'ai tellement envie que ça soit vrai. C'est parce que c'est drôle. Tous les étrangers vont se faire avoir une fois avec ses pantoufles. Donc oui, hein, s'il y en a qui nous rejoignent, je vois que le nombre de spectateurs a augmenté. Au Japon, quand on va dans des toilettes, il y a des pantoufles spéciales toilettes. Ce n'est pas un mythe, c'est genre vrai de vrai. Et forcément, bah, elles sont réservées que pour les toilettes. Donc, il faut encore moins sortir dehors avec. Donc voilà, il faut faire attention. Donc, à votre avis, est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Sophie, tu partirais sur quoi, toi? Moi, j'ai voté vrai. Parce que vraiment, le combo, on n'a pas ce réflexe-là de changer de pantoufle, etc. On l'a tous fait, cette gaffe. Hein. Ouais. Plus, il était pressé, voilà, en panique, tout ça. Ça pense passe. Que c'est vrai. Ouais. Moi... C'est vrai. Alors, j'ai une question, du coup, quand même, qui me vient à l'esprit. C'était genre des super pantoufles, genre super confortables ou plutôt fines? Parce que je sais qu'il y en a qui sont quand même toutes fines. Non, elles n'étaient pas super épaisses, mais là, il y avait quand même une épaisseur. En fait, moi, à ce moment-là, je mettais carrément des tongs tellement je crevais de chaud. C'était au mois d'août et tout. Et elles avaient... alors, c'est vrai que j'aurais pu me dire, tu vois, enfin, voilà. Mais elles avaient une épaisseur. Elles avaient quand même une certaine épaisseur en dessous, tu vois. Donc, je m'en étais pas... C'est vrai qu'elles étaient fois. Quand t'es pris dans ton rush. Mais pas, non, il y avait quand même un côté godasse en dessous, tu vois, c'était pas juste un truc ultra fin où tu sens le bitume à travers le truc, tu vois. Allez, mais de toute façon, j'étais rien, donc. Alors, j'ai envie de dire que si la réponse est fausse, la personne qui a voté faux, elle se fait un butin, mais en or. Bon, du coup, comme d'habitude, je mets un petit roulement de tambour que malheureusement vous n'entendez pas, mais je te fais un signe, Joe. Attention, roulement de tambour. Je t'en prie, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est complètement faux. Nous a brain. Non. Elle était magnifique, bravo. Ah ouais, on y croyait beaucoup. En fait, bravo à la différents personne trucs qui me sont arrivés. Ça m'est déjà arrivé de partir avec les chaussures de quelqu'un d'autre. C'est pour ça. Et d'une maison française. N'habitez pas chez vous. C'est ça. Il a piqué vos chaussures. Juste, ouais, je sais pas. Et ça m'est bien sûr arrivé, et vraiment quasiment à chaque fois que je sortais des chiottes, de garder les trucs des chiottes dans la maison, en me baladant allègrement, voilà, et jusqu'à ce que quelqu'un me le dise. Oh mon Dieu, mais c'est beau. Mais la totale, c'est ça. La totale, non. Je me suis dit, wow. Ce sera mon prochain objectif pour la prochaine fois. Oh mon Dieu, bah, félicitations, il y a 3 personnes qui avaient voté non. Eh bien, GG à vous, parce que là, vous gagnez le pactole. Vous gagnez le pactole. Félicitations. Bravo. Bon, Sophie, c'est à ton tour maintenant. Dis-nous tout, quelle est ton anecdote? Et courte. Je cherche comment bien la formuler. Attention. J'ai fait écouter de la musique pornographique à une adolescente japonaise de 14 ans. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Attends, parce que c'est quoi de la musique? Pornographie, je suis désolée, à moi pure et innocente comme musique, je suis. Avec des paroles. Qui sont. Extrêmement explicites. Ok. Ok, genre Kinvé dans sa l'orientale. J'ai pas la ref, mais probablement. Bah, rien que le titre, ça te dit pas mal de choses, quoi. Ok. Et Joe, t'as une question pour Sophie? Alors, attends, c'était 14 ans la jeune fille? L'ado. Ouais, elle avait 14 ans.
Elle avait 14 ans, mais alors c'était... d'accord. Est-ce que tu savais que c'était des paroles olé olé quand tu lui as fait écouter, toi? À l'époque, non. D'accord. Ouais, donc c'est Est-ce que... potentiellement la fille, elle t'a dit, ah oui, t'as mis la musique japonaise et t'écoutes quoi? Elle t'a mis un truc et là, ça a été un gros test de son tatemae. J'avoue. Mais il y a peut-être eu une petite larme. Après, Ou à un peu 14 ans... pire, juste un. Après, à 14 ans, tu te rends pas si compte que ça, hein, parce que moi, bah justement, cette... Kinvé, Danse à l'Oriental, j'avais à l'époque l'album Carpe Diem, déjà. Déjà, ça annonce la couleur. Et dedans, rien que dans cette chanson, il te dit des trucs, c'est des trucs de fou quand même. Hein. Mais moi, j'étais là, je la chantais tout, mais je comprenais pas. Je comprenais pas, je savais pas ce que c'est. Moi, Danse à l'Oriental, tu te mets à l'horizontale et tu danses, tu vois. Genre, premier degré. Donc, à 14 ans, ça se trouve, tu. T'as pas vraiment capté, je sais pas, Comme est-ce que c'était Attends, très elle peut avoir explicite? 15 ans, hein, c'est 14-15. C'était genre super explicite dedans ou c'était un peu C'était quand bien même. explicite. Ah ouais, donc il n'y a même pas de raison de. C'était. Je vais pas dire les termes, mais Ouais. voilà, t'écoutes C'était. ça, Ça se comprend. tu sais de quoi on parle, quoi. Ok. Je cherchais de questions, mais du coup, j'en ai pas. Je vais lancer la petite prédiction. Voilà, je vais laisser les viewers se débrouiller avec ces informations. Débrouillez-vous C'est ça. Donc, même principe, n'hésitez pas. Vous avez 2 minutes là pour faire peut-être fructifier vos points de chaîne. À votre avis, est-ce que l'anecdote elle est vraie ou elle est fausse? J'ai envie d'y croire parce que. Ouais, quand on sait pas, juste on aime bien la musique. Moi, encore une fois, je suis ce genre de personne, donc ça ne m'étonnerait même pas que j'écoute des trucs en japonais. Je sais même pas que c'est olé olé. Ce serait possible. Jo, je sais pas. J'ai envie d'y croire et surtout de savoir quelle est la chanson. Oui, moi aussi. On a le droit de le savoir maintenant Bah, le problème, c'est que si je donne des noms, derrière, vous allez taper sur Google et vous allez tout de suite voir si c'est vrai ou faux. Ah Donc, je peux rien ah. dire, mais je Ok. peux donner plus d'infos Les quand même. chansons vont être données. Indice pour toi, Candy. Ça commence par Carrie et ça se termine par Pamu. Ce serait drôle, mon Dieu! Non, dites pas ça, ne ruinez pas mon enfant, s'il vous plaît, avec Yali Imagine, Pamieux. après, je sais pas si elle aurait autant marché au Ou pan Japon. pan, ça Non. rentre, c'est Ah, un pan pan pan, bah ouais, carrément, pan pan pan, quoi! pan pan. Ah non, je suis morte! Ah non, on va détruire mon enfant, c'est pas grave, j'accepte. Ah, les gens sont un peu plus timides, hein. Ils savent pas trop, c'est Ouais. tellement. N'hésitez pas, n'ayez pas Je l'ai dit, c'est peur. des points de chaîne, on se Voilà, c'est des rattrape points de chaîne, derrière. ça se rattrape super vite. Coup de poker, voilà, faites un petit coup de poker, on sait jamais. Misez tout. C'est C'est ça, ça, all misez tout. in, all in. C'est ça. Je dis ça, mais il y en a dans le chat qui ont des genre plus de 24 points de chaîne. Hein. All in, ça ferait mal un petit peu. Hein. Ça ferait mal. Ouais, moi, je pense que je partirais sur un c'est vrai. Ça ne m'étonnerait pas, ça serait... En tout cas, c'est fort probable, forcément. C'est fort probable que ça arrive. Il reste quelques secondes, les gens, avant que je ne lance un roulement de tambour. Ah, c'est plutôt moite-moite, hein. Là, 1001 à 900. Ah, ils hésitent, Les ils gens, hésitent. ouais, ils se disent... Bon, allez, je lance le roulement de Sophie aurait tambour. vraiment fait ça. Est-ce que... Ouais. Ah. Ah, roulement de tambour. Je t'en prie, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cette anecdote est 100% vraie. Oh oui! Ah. Alors attends, vas-y! Quelle est cette musique Là, du il faut le coup? Tout le monde veut contexte, la il faut savoir! écouter toute l'histoire là. Vas-y, vas-y! Donc, eh ben, c'est aussi un moment où j'étais en famille d'accueil. Donc, cette fois, j'étais à Fukuoka. J'ai fait 1 mois d'études à Fukuoka dans une école de langue. Et donc, j'étais chez une famille qui avait ben, une adolescente. Je pense que c'était ouais, 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'en avais 18 à l'époque. Et j'allais voir un groupe en concert, un groupe de Kyushu, donc de la région de Fukuoka, c'était leur coin. Et bah, un groupe que j'adore, quoi, que j'écoute beaucoup. Et vraiment une musique hyper joyeuse, pop, machin, hyper entraînant et tout. Et donc, l'ado, elle me dit, ah bah tiens, tu vas voir qui en concert ce soir? Puis je lui donne le nom du groupe. Et elle me dit, ah, tu me fais écouter? Donc, je lui fais écouter. Et là, je vois son visage qui se décompose et qui me dit, mais tu comprends les paroles? Je lui dis, Non. pas, non, pas vraiment, non. Ah!
et c'est tout, ça s'arrête là. Sa réaction s'arrête là. Et du coup, je me dis, waouh, si elle réagit comme ça, c'est qu'il doit y avoir un truc, quoi. Donc, derrière, je creuse. Alors, pas le jour J, parce que le jour J, j'avais pas le temps. Je suis allée en concert, machin, concert hyper bien et tout. Photo avec les artistes. Enfin, un groupe normal, en fait, d'apparence, vraiment, qui ne dénote pas visuellement de tous les codes visual kei de l'époque. Mais du coup, en rentrant quand même, je cherche. À l'époque, j'avais pas un très très bon niveau de japonais. Donc, c'est un truc que j'ai un peu fouillé à l'époque, mais surtout par la suite, ça m'est resté en tête. Et ben, plus je progressais en japonais, plus je réécoutais ce groupe. Et je me suis dit, je lui fais vraiment écouter ça. Donc, le groupe en lui-même s'appelle... Qui a dit pas Miu, notamment pour la chanson Pom Pom Pom. Le nom du groupe, c'est Valetta. C'est pas du tout un groupe connu. Je pense que vous n'allez pas trouver grand-chose. Moi, j'ai toute la discographie, si vous voulez. Ils n'ont pas sorti grand-chose. Par contre, toutes leurs chansons sont vraiment bien. Mais toutes leurs chansons parlent de fesses. Voilà, il faut le savoir. Yes. Ça parle que de ça. Donc, donc voilà. Ok. Voilà, donc, j'ai fait écouter ça à une ado. Et peut-être que je l'ai trauma ou pas, je ne sais pas. On ne sait pas. Oh mon Dieu. Oh, mais oui, mais je voulais qu'elle soit vraie. Je suis contente. Bien joué en tout cas. Félicitations pour ceux qui ont eu la bonne réponse. Du vocabulaire sur l'anatomie féminine. C'est ça. La musique peut aider à beaucoup de choses dans tous les champs lexicaux inimaginables, tous les thèmes. Vous pouvez trouver votre bonheur, même ceux qui sont un peu portés sur le olé olé. Exactement. Voilà, il y a de tout. Voilà, il y a de tout. Vive donc, la musique. La morale de l'histoire, c'est ne faites pas écouter de la musique à des Japonais si vous ne savez pas ce qu'on dit dedans. C'est et ça. Donc, apprenez le japonais. Exactement. Très bonne conclusion. Je suis très d'accord avec toi. Aïe, aïe, aïe. Elle en parle encore à sa psy. Ah ouais, c'est ça. Pauvre. C'est ça. Et puis après, tu sais, c'est à partir de là que les Japonais ont cette idée que les Français sont super dévergondés. Tu vois, genre en mode. Ça part de là. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci pour vos super anecdotes, comme toujours. J'espère que le chat s'en est délecté. C'était vraiment cool. Avant de passer à la dernière partie, à savoir tirage au sort, voilà, pour ceux qui sont encore là, qui veulent justement remporter les petits lots offerts par nos partenaires, encore une fois, je tenais à vous remercier d'avoir participé à l'émission. Merci à vous et aux personnes encore présentes à cette heure-ci. Voilà, j'espère que vous aurez passé un beau moment en notre compagnie, moi et les viewers compris. Pour ceux qui veulent du coup retrouver nos deux invités, est-ce que vous pouvez nous donner rapidement vos actus, là où est-ce qu'on peut vous trouver de manière générale? Sophie, si tu veux bien commencer. Oui, ben pour moi, mon site avec ben, tout ce que je propose comme cours de japonais, c'est donc cours-de-japonais.com. Mettez bien les tirets sinon vous arrivez chez Julien Montagnier. Oui. Et puis, mes réseaux sociaux principaux, c'est Instagram, où on poste 3 fois par semaine, YouTube, où on poste entre 3 à 6 vidéos par semaine, et Twitch, où on est en stream tous les jeudis soirs pour faire de la lecture en japonais. Voilà, n'hésitez pas. Et pour toi, Jo? Eh ben moi c'est instajo.nihongo où je suis pas super au top en ce moment, mais vous pouvez, ça vaut toujours le coup de me suivre. Et puis sinon beaucoup Twitch le mardi soir où on lit des textes de différents niveaux et on regarde des pubs. Et parfois le vendredi midi quand je peux pour faire un petit peu de kanji avec la méthode les kanji dans la tête. Ouais. Et puis voilà. Et puis sinon j'ai aussi quelques petits trucs sur YouTube et c'est là que je mets aussi tous mes replays. Donc ouais. Vous pouvez pas venir au live, c'est pas mal. N'hésitez pas, du coup, vous avez tous les liens. Normalement, en cliquant sur la chaîne Twitch, hein, vous avez la possibilité de retrouver tous les autres réseaux sociaux ou juste avec le nom pour votre réseau social préféré. Généralement, c'est la même chose. Et puis, vous voyez leur tête en photo de profil, donc vous ne pouvez pas vous tromper normalement. C'est plutôt facile à retrouver. Voilà, encore une fois, merci. Pour ceux qui ne les connaissaient pas, ben, n'hésitez pas à les suivre. Et sans trop vous faire atteindre, on va pouvoir passer eh bien, aux partenaires.
Donc vous le savez, hein, l'émission, il y a de plus en plus de partenaires, il y en a même qui se rajoutent en plein milieu parce qu'ils disent « Ah ouais, mais c'est trop bien, moi aussi je veux participer ». Et ce soir, j'ai 4 partenaires à vous présenter. On va commencer par Bazar du Manga. Vous le connaissez peut-être déjà si vous êtes venu sur les autres émissions. C'est une boutique qui se situe à Paris, mais qui a également un site internet, voilà, qui est spécialisé dans la vente de mangas d'occasion. Donc si vous avez des mangas à revendre, n'hésitez pas à aller les voir. Je pense que parmi tous ceux qui proposent ce service, c'est ceux qui sont vraiment les plus cool au niveau de, voilà, du à combien ils vous les reprennent. Hein. C'est pas comme aller à Easy Cash et ils vous disent 10 centimes. Là, on est vraiment plutôt sur 1, 2, voire des fois 3 euros en fonction de votre tome, donc n'hésitez pas. Ce partenaire, il vous fait gagner 3 lots. Un collector Demon Slayer, un collector Tokyo Revenger et un bon d'achat de 40 euros sur leur site. Donc c'est voilà, à utiliser sur n'importe quel produit. Ça peut être les porte-clés, les tasses, les mangas du coup aussi, les figurines. Enfin vraiment, ça, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. On a ensuite du coup Cactus Tatoué, voilà. Qui sera également présente à la Japan Expo, qui vous propose de la papeterie, des choses très mignonnes, souvent avec de la broderie. Voilà, donc ce soir, elle vous fait gagner un lot, donc une carte et un petit carnet que vous voyez passer actuellement sur la gauche. Une carte la amène et un petit cahier avec un sushi dessus, brodé à la main. Voilà, n'hésitez pas également à la suivre sur les réseaux sociaux et à lui faire un petit coucou de la part de sa Coolerman, si vous allez à la Japan Expo, peut-être. Et on a également Plopart. Alors, Plopart n'a pas de chance. Ce matin, le site fonctionnait. Cet après-midi, il ne fonctionne pas. Je vais checker au cas où si je peux avoir accès au site. Oh bon, bon, miracle, avant l'émission, ça ne fonctionnait pas. Mais voilà, Plopart est un artiste, du coup, que je vous ai déjà présenté pour ceux qui sont là depuis un certain temps, qui fait de la peinture sur bois. Et la plupart de ses œuvres, du coup, sont réimprimées sous forme de posters. Et donc, ce soir, il vous propose de gagner, justement, un poster pour deux personnes. Il y a de nouvelles créations qui viennent de Pop. Hein, Uzui a été fini il n'y a pas si longtemps. Et je vous laisse admirer par vous-même la beauté de ses œuvres. Voilà, ça parle d'eux-mêmes généralement. Plopart, je crois, est également à la Japan Expo. Je pense que la moitié des partenaires sont à la Japan Expo, donc si vraiment vous aimez bien leur travail et que vous ne gagnez rien durant l'émission, eh bien vous aurez la possibilité directement d'aller sur leur stand et de vous faire plaisir. Et dernier petit partenaire qui s'est rajouté au dernier moment, c'est la boutique Manga d'Okaze ou Manga d'Okaze, il y a deux lectures différentes en fonction de ceux qui le lisent à la japonaise ou non. Donc c'est une boutique qui se situe à Lille, là où j'habite, hein, donc forcément, et qui a un site internet également où vous pouvez vous procurer tout ce qui est manga et goodies, hein, figurines. Il y a aussi beaucoup comment on appelle ça, Gunpla, si je prononce bien, je ne suis pas très familiarisée avec ce terme, mais voilà, il y a de quoi faire. Et ce partenaire, je l'ai là, vous offre ce que je vous ai présenté tout à l'heure, un tote bag rempli de plein de goodies qui sont généralement proposés par les missions d'édition. Donc on a notamment une serviette de plage, c'est les offres du moment pour l'été. Je suis incapable de vous dire de quel animé ça vient, mais c'est un animé populaire. En tout cas, ça, je le sais, le nom n'est pas marqué dessus, et je ne vais pas m'amuser à l'ouvrir, je vais vous laisser le plaisir de le faire, en tout cas, la personne qui va gagner. On a également... Alors, attendez, ce que je découvre en même temps. On a des lacets, vous avez tous des chaussures, donc c'est forcément utile. Des lacets, moi, quand je me réincarne en slime, si, j'espère que vous connaissez, que vous avez lu ou peut-être regardé. On a... ce genre de choses, Naruto, ça parle à tout le monde normalement. On a ce genre de choses également, pour ceux qui sont fans de Naruto, vous l'aurez compris. Et après, on a des petites affiches qui sont, ma foi, très jolies, de choses que je ne connais pas forcément, mais peut-être que ça va vous parler à vous. Donc, on a Ningyo, juste là. On a... qu'est-ce que c'est ? Criminel ? Je n'arrive pas à lire, mais c'est très beau. C'est tout ce qui compte. Et ici, Deep Sea Aquarium. Voilà, de petites affiches pour décorer. Le papier est vraiment cool, c'est un peu décartonné. Des éditions, du coup, Pika, apparemment, Glénat et Vega
du puits, si je me trompe pas. Désolée si je prononce mal, je ne suis pas habituée à tout ce vocabulaire. Donc voilà, ça c'est tout un lot en entier avec plein de goodies différents. J'espère que ça fera le bonheur de la personne qui le gagnera. Et donc du coup, c'est le moment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de faire un petit point d'exclamation, ça coule à tout coller. Le fait de faire ça, ça va vous mettre justement dans la base de données pour vous donner accès au tirage au sort. Encore une fois, tout est totalement gratuit, offert par les partenaires qui sponsorisent l'émission. Il suffit juste d'être passé voir l'émission, avoir dit coucou peut-être, ou juste avoir profité du thème d'aujourd'hui pour participer. Ceux qui sont abonnés ont un léger avantage. Ils ont deux fois plus de chances de gagner. Hein. C'est ma façon de les remercier, de soutenir la chaîne. Mais en dehors de ça, tout le monde peut participer, les invités également. Donc, encore une fois, je vous invite à cliquer et à mettre plutôt point d'exclamation Sakura si ce n'est pas encore fait. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de partenaires et que du coup ça prend un peu plus de temps, mais encore une fois tous ces partenaires sont là pour vous remercier d'une certaine manière, donc j'espère que ça vous fait plaisir de pouvoir gagner des choses et pour certains de les gagner. Alors on va passer tout de suite au premier tirage, donc on va commencer avec le lot que je viens de présenter hein, de manga d'occas. On va faire un petit roulement de tambour, il va y en avoir 2, 4, 6 roulements de tambour ce soir. Attention, roulement de tambour. Qui est le premier gagnant de la soirée? Oh, Kalinours! Bon bah Kalinours, comme je sais qu'on se voit à la Japan Expo, je te la ramènerai. Kalinours qui est VIP, c'est la première VIP de la chaîne. On peut acheter le badge avec 100 000 points de chaîne et c'est la première à avoir cliqué sur le point de chaîne pour l'avoir. Du coup, félicitations, tu dois peut-être dormir vu tes journées. Mais voilà, je te contacterai et tu pourras récupérer ton lot. On passe à la suite donc pour le lot de... Oh, Kalinours est là. T'as gagné un lot de goodies. Je te renverrai des photos si tu veux. Voilà. On passe du coup pour le lot de papeterie, hein, brodée, cartes et cahiers, pardon. Roulement de tambour. Oh, Scoposan, félicitations à toi. Bon, j'espère que ça te sera utile dans peut-être ton apprentissage du japonais. Ça peut être toujours cool de prendre des notes sur les leçons à droite à gauche que tu suis. Donc félicitations à toi. On enchaîne, hein, vous l'avez compris, il y a beaucoup de lot, roulement de tambour suivant pour le poster chez Plopart. Attention. Oh, Mathis Pico-san, omedetou gozaimasu. Bien joué, félicitations. Évidemment, on veut des clap 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 dans le chat. Hein. Merci à ceux qui le font. Félicitations à tous les gagnants. Félicitations. Allez, je les enchaîne. On passe pour le collector Tokyo Revenger. Roulement de tambour. Oh, Kuristo-san, omedetou gozaimasu. Bah voilà, encore une fois, félicitations. Hop, je note ton nom et je te contacterai après l'émission. Ah, tu es là. Voilà. Bon, bah du coup, Christophe, n'hésite pas. Ceux qui sont là, hein, ceux qui doivent recevoir des lots et que je... Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message et à m'envoyer notamment vos coordonnées, nom, prénom, adresse complète, plus si possible... adresse, mail et téléphone. Il y en a qui des partenaires qui envoient avec le suivi et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me l'envoyer dès maintenant si vous le pouvez. Ce sera plus simple et plus rapide pour le recevoir. On continue. Du coup, collector Demon Slayer. Roulement de tambour. Oh, Loman-san ! Omedetou gozaimasu. Félicitations. Voilà, donc un petit collector Demon Slayer. GG. Et on finit du coup avec le dernier. Alors Christophe, ceux-là, je les ai pas. C'est les partenaires qui les ont. Ils te les enverront. Ils te l'enverra directement chez toi du coup, Christophe. Allez, le dernier. Peut-être le plus gros lot finalement. 40 € de bon d'achat sur la boutique Bazar du Manga. Roulement de tambour. Attention. Suspense, 3, 2, 1... Oh, dare desu ka? Shiranai hito, quelqu'un que je ne connais pas. Nainaki-san, merci beaucoup d'être apparu sur la chaîne. Du coup, félicitations à toi. Je ne sais pas si tu es encore parmi nous, mais merci
d'avoir rejoint la chaîne et l'émission et d'avoir participé. Tu auras du coup un petit bon d'achat pour te faire plaisir sur la boutique. Félicitations tout le monde. GGG. Et pour ceux qui n'ont encore rien gagné, ne vous inquiétez pas, il reste encore 3 émissions au total et plein de lots à gagner, notamment sur la dernière émission qui se fera en compagnie de Sophie, ici présente, et Angélique, hein, sur étudier au Japon. Il y a le gros paquet, hein, sur la dernière émission, vous l'aurez compris, et pas mal d'autres surprises sur les autres émissions à venir. Donc voilà. Merci encore une fois. Désolée, hein, c'est un peu long la dernière partie. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Mais merci encore une fois d'avoir participé. Je change de scène. Merci beaucoup. Mais merci de rien. De merci rien, au de chat. Rien. Merci au chat, exactement, qui est toujours c'était en cool. forme, qui fait des clap-clap, qui sont tous très gentils. J'espère que ça vous aura plu. Donc, la prochaine émission, c'est une très bonne question, Vivi. Théoriquement, on fait l'émission Sakulamen tous les samedis, sauf que malheureusement, samedi prochain, je n'étais pas dispo. Donc, samedi prochain, pas d'émission. Voilà, c'est petite pause d'une semaine sur Twitch. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver le 16 juillet. C'est le week-end de la Japan Expo. J'espère que vous serez quand même là. Après avoir marché, après avoir profité et dépensé tous vos sous, eh bien, vous n'aurez plus qu'à vous reposer, à mettre votre petit téléphone ou PC allumé et à nous écouter pour vous parler justement du JLPT, hein, le diplôme qui permet d'une certaine manière de certifier de votre niveau de japonais. On va parler de ça avec Japan Kanke et Angélique Tokimeki. Voilà, on va vous donner des petites astuces pour réviser, on va vous expliquer ce que c'est tout simplement le JLPT, comment est-ce que vous pouvez le passer, comment vous pouvez vous préparer à le passer. Donc voilà, n'hésitez pas, sa prochaine émission du coup, le 16 juillet à 20h30 le samedi comme toujours. Et si je vous donne un petit peu la suite du programme, hein, le 23 c'est une émission c'est un hors-série. En fait, on va parler de l'évolution des mangas en France. Voilà, ça n'a pas grand lien avec l'apprentissage japonais, mais le thème est apparu et je me suis dit pourquoi pas. Et on va finir la saison 1 du coup le 30 juillet, hein, sera la dernière, on aura fait 10 épisodes, c'est déjà pas mal, sur justement comment étudier au Japon avec Sophie et Angélique. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir la suite du programme, et évidemment si tout se passe bien, l'émission se poursuivra fin septembre, octobre pour une saison 2. Le thème n'est pas encore 100% sûr, peut-être nourriture et artisanat, mais peut-être d'autres surprises, d'autres hors-série. Voilà, ça va. J'ai déjà des invités, ça devrait vous plaire. Vous allez avoir faim, il faudra des pop-corns en même temps que l'émission, mais ça devrait vous plaire. Du coup, je vous propose qu'on aille faire un petit raid pour tous se quitter et aller faire coucou à quelqu'un d'autre. Est-ce que l'un de vous deux a peut-être une recommandation pour le raid ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre côté que vous appréciez, qu'on pourrait aller... Allez, j'ai pas assez de temps sur Twitch pour en ce moment, donc si Sophie t'as quelqu'un, parce que moi ça... J'ai là... pas grand monde à cette heure-ci, je t'avoue. Alors moi j'ai beaucoup de monde, mais pas des gens que je suis vraiment... j'ai juste généralement vu une fois et j'ai dit « Ah c'est cool », et puis j'ai jamais été revoir ces personnes. J'en ai une, mais elle a pas encore commencé c'est Angélique qui me l'avait proposé et vraiment l'ambiance est cool. On va peut-être aller le raid quand même, vous allez voir. Il regarde souvent des séries, enfin des émissions, et il est plutôt très rigolo, c'est le poteau Matt. Voilà, vous verrez ce que ça donne. Généralement, quand j'ai des soirées révision GLPT, justement, je le mets en fond, et ça passe plutôt bien le soir. C'est plutôt détente. Bon, sur ce, du coup, la semaine prochaine, du coup, c'est une semaine spéciale. Il n'y a pas de cours de japonais. Donc, vous me retrouverez notamment en live chill. Et je suis en train de me dire que ça bug un peu, non ? Ah, attendez, j'ai fait des bêtises sur les overlays. Voilà, on nous revoit. Donc, voilà, la semaine prochaine, vous me retrouvez notamment en live
plus chill. Je vais faire de la broderie, je vais rejouer à Fall Guys, c'est des petites vacances, hein. Je passe le JLPT demain, donc bon courage, merde à tous ceux qui sont sur Paris notamment pour passer le JLPT. Si vous me croisez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou ou venir me parler avant l'examen, ça ne me dérange pas. Et donc voilà, décompression après le JLPT exactement. Et sinon, le 11 juillet, il y a un live anniversaire, parce que le 11 juillet, c'est mon anniversaire. Donc si vous devez noter une date, n'hésitez pas à venir le 11 juillet toute l'après-midi. J'ai prévu des petites activités, des petits jeux rigolos. Vous êtes tous invités à la candy party. N'hésitez pas à venir à ce moment-là. Donc voilà, je vous fais à tous des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore à nos invités d'avoir répondu à toutes mes questions. Et bonne soirée tout le monde. Arigatou gozaimasu. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. Ciao.